Thank you.
Bonsoir. Alors attendez. Fou. Et là, voilà, il y a tout qui se reconnecte, la caméra. Bonsoir à tous, comment ça va? Oh non, de bleu. Alors attendez. Je dois régler deux trois trucs. Yes, yes. Comment ça va les gens? Ça fait méga longtemps. Wouh. Alors je sais pas quand était mon dernier stream. Je pense que c'était, si vous voulez mon avis, fin janvier. Peut-être fin janvier en fait. Salut Sir Kane, hello hello. Alors c'est pas du tout ça, la stack adrenaline, on va changer ça en ce moment. Attendez, une chose à la fois bien évidemment. Comment ça va les gens? Ça fait une ribambelle de temps qu'on s'est pas vu. Bon, on s'est peut-être vu ailleurs, mais pas sur ce live en tout cas. Pas sur ce live, alors attendez, je vais changer juste les infos du stream. Se connecter Twitch. Tac tac, on va changer de la commande. Alors, c'est où chatbot, commande, custom commande. Alors c'est ça c'est bon, 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 c'est bon, c'est laquelle? C'est stack qu'il faut que je change. Alors stack. Donc ce soir on va travailler sur du la stack Patou. Donc c'est Adonis JS, Alpine JS, PSQL, Postgres. Tailwind CSS, ou je suis pas sûr que ça soit du Tailwind, mais je crois. Et Unpoly.js, voilà. On sauve la commande. Et le planning, c'est. On pense sur Slywork. Et yes, voilà. Et il y a la commande Slywork qu'il faut que je rajoute dans le titre du chat. Alors attendez, titre du chat. Et on sauvegarde. Stack Slywork. Ok, parfait, ça devrait aller, ça devrait être bon comme d'habitude dans les streams, ici ils sont à l'arrache. Je sais pas si le mixage audio est bon, je pense que oui. Salut Xetrop, bien et toi, comment vas-tu? Et je suis tombé sur ton sur le TikTok de votre chaîne Twitch, ça m'a fait plaisir. C'était sur le perçage de la saucisse. la vidéo du perçage de la saucisse, ça m'a fait très rigoler. Je me suis abonné instantanément. Ça faisait longtemps. Ah, je pense que tu vois de quoi je parle. Alors fermez les yeux. Fermez tous les yeux. Parce qu'il est configuré comme je travaille chaque jour. Pas configuré pour le stream. Voilà, du coup, je m'excuse pas d'avance. Et je vais ouvrir toutes. Non, c'est pas ça. Je vais ouvrir les settings. Non, c'est pas ça. Non. Je sais plus comment on ouvre les settings. Ctrl Alt S. Ah oui. Et on va tout de suite le passer en thème dark pour vous. Apparence. Paf. Et c'est là-dedans, je crois. Et du coup, c'est Night Owl. Boom. Waouh, c'est smooth. Yes, on le redémarre dans le doute reboot. Voilà, parce que sinon, il y a des bugs d'UI quand vous redémarrez pas entre deux. Et je vais aussi changer la taille de la fonte. Alors, attendez, bon, déjà, c'est pas sur ce projet qu'on va travailler, donc je vais ouvrir le bon projet. Je vais faire ça sur l'autre fenêtre. Même si je devrais rien avoir à cacher là-dessus. Alors, fichier, ouvrir, Slywork, et on l'ouvre sur cette window, paf, voilà. Là, on est bon, et je vais du coup aller dans les paramètres, et on va augmenter un peu cette police d'écriture qui est un peu petite. Je suis dans la console, c'est pas la console, on s'en fout de la console. Fonte ici, ok, Monolisa, on va passer en 21 je pense. D'accord, j'ai l'impression que ça n'a rien changé. D'accord, c'est à cause de ça. Current font is defined in the color scheme. Oui, d'accord. Ça. Ok. Ah ok, voilà. 21 c'est un peu beaucoup hein, 21, 19, je... 19... 19, qu'est-ce que ça donne 19? 19, c'est un peu gros quand même, hein, 19. 18. 18, ça me semble pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, là, du texte, là? Ceux qui regardent peut-être sur téléphone. Ouais, la forme, hein, ouais, elle a plutôt bien tourné, cette vidéo. Ouais, bah, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Salut, King of Spade. Bienvenue. Salut, 28, Light, 28. Hello, hello. 18 c'est bien, 18 c'est pas mal, hein. je pense que c'est pas mal, pour ceux qui ont des petits écrans vous me direz si jamais.
Il y a juste le menu à droite là qui est un peu petit. Je m'y retrouve jamais là-dedans. Alors attendez, fonte. Mais bon, d'accord, ça c'est bon. Et c'est dans apparence, je crois. Apparence. Voilà. Ils sont obligés de le mettre à 15 endroits différents. Hein, c'est super plaisant. Je pense que 16, non, un peu plus. 18, peut-être. 18, c'est pas mal. 18. Voilà, là, la taille de la fonte, c'est tout, ça devrait être bien là. Vous voyez pas en bas, mais c'est pas grave. Et ouais, bon, sur le retour, ça a l'air d'être pas mal. Ok, donc on va avancer ce soir sur Slywork, qui est mon site de formation pour apprendre le JavaScript. Et salut Babas, et merci de confirmer pour la taille. C'est un peu le fil rouge du stream, normalement. Quand je stream, voilà, ça ne vient pas souvent actuellement. Et on va avancer sur ce site. Donc je vais vous rappeler où on en est. Et histoire que moi aussi, ça c'est une technique de politicien. Je vais vous rappeler où on en est. Comme ça, moi-même, je me rappelle où on en est. Oui, mais il ne faut pas le dire en fait. Il faut aussi que j'enlève pas mal de petits codes que j'avais fait parce que j'avais fait tester des trucs. Donc je vais dégager un peu du code. Ce que j'avais testé pour commit sur le repo en truc. Mais on va voir ça ensemble. Au pire, tu peux ajouter le fait de régler la taille de la fonte via CTRL molette. Ouais, c'est vrai. C'est pas d'office ? Non. Je regarderai ça hors stream. D'ailleurs, je crois que j'ai toujours le mode Vim. J'ai le mode Vim, je l'ai dégagé sur mon Mac, mais il est, à première vue, ici, installé. Ok, ça marche. Alors, où on en était et qu'est-ce que c'est ? Alors, Slywork, il y a la commande dans le chat pour si jamais il y a des gens qui posent des questions après, maintenant. C'est un site que j'ai envie de créer, qui est censé, un site pour les francophones, qui va normalement vous apprendre à créer des applications en JavaScript, que ce soit des applications web ou des applications back-end. Quand je dis application web, c'est donc front-end. Et mon objectif, c'est d'essayer de réussir à vous enseigner, en fait, déjà la théorie sur le JavaScript de base, et après, bah, sur les différents runtimes, que ce soit le navigateur et système, avec, en apprenant différents frameworks type React, type Vue. En tout cas, c'est les deux que je connais sur le front. Et côté back, surtout avec Adonis, c'est vous apprendre à architecturer un peu une application et des fonctionnalités. Parce que ça, c'est souvent le truc où on a pas mal la théorie, mais après, avec cette théorie, c'est à nous d'imaginer comment on peut utiliser ces briques pour construire un mur, en fait. Et là, mon but, à moi, et c'est le but des sites de formation, comme vous pouvez voir sur l'Aracast ou autre, en fait, c'est de vous enseigner comment utiliser ces briques qui vous sont fournies et ces outils pour créer quelque chose par la suite. Parce que c'est bien joli d'avoir, par exemple, un module pour faire de l'authentification sociale, donc avec Google, avec GitHub, avec Twitter et autres, mais comment vous l'utilisez en vrai dans une application réelle et pas dans une to-do list pour l'utiliser en fait et mettre ça en place en production. Et le but de ce site, ça sera du coup d'apprendre la base du JS pour bien comprendre comment fonctionne le JS, comment fonctionne l'asynchrone et ces petites choses qui sont en fait pour moi essentielles dans le JavaScript, mais qu'on oublie souvent d'apprendre ou qui sont à mon avis mal expliquées. Et quand je dis mal expliquées, ça veut pas dire que c'est forcément faux ce qui est dit, mais ça veut dire que je trouve, donc ça c'est que mon avis, que c'est pas expliqué d'une façon pédagogique et ergonomique, et qu'il y a moyen en fait d'expliquer ça plus facilement pour les gens qu'ils arriveraient peut-être à mieux comprendre de cette façon là quoi. Donc c'est le but de ce site, et c'est un peu le fil rouge de ce stream, en gros. Si je fais pas, généralement c'est le thème, je sais pas quoi faire et je stream ça, voilà. Et ça me permet d'avancer avec vous, de parler aussi, d'apprendre des choses ensemble, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc il y a une commande dans le chat. Donc le site est open source également, et donc il est construit sur Adonis, il utilise la stack Patou, stack nommée random, hein, vous avez pas trouvé sur internet si vous cherchez ce que c'est. C'est assez simple, c'est Postgres pour gérer la base de données. Ok. Après, on a AdonisJS en back-end. Donc là, ça va servir de tout ce qui est rendu. Donc c'est un rendu côté serveur. Il n'y a pas de front. Ok. Il n'y a pas de grosse application React, Angular, Vue. Parce que ce n'est pas nécessaire. Et le but aussi de cette application, c'est de montrer qu'on va faire une belle interface fluide, dynamique pour les utilisateurs sans se taper un framework front qui bouffe une tonne de place. Et du coup, donc c'est Adonis Alpine pour les petites interactions qui sont utiles. On aura par exemple des modals, des requêtes Ajax quand même qui vont se passer, mais ça prouverait, enfin ça donnera un bon exemple aux gens qu'on n'a pas besoin d'avoir un gros framework pour ça. Le T, c'est Tailwind. Je suis pas sûr qu'on ait Tailwind, je crois qu'on a Tailwind. On a Tailwind sur le projet. Donc, le T, c'est pour Tailwind. Et le U du Patou. Donc c'est pas tu en vrai, c'est Unpoly, et ça c'est une petite pépite que je vous conseille de regarder un peu si vous faites du back.
Donc Bach, je dis Adonis, Laravel, Symphony, Rails, etc. C'est une petite librairie que vous allez ajouter par-dessus. Et pour ceux qui connaissent peut-être Turbolinx, c'est un peu similaire, mais c'est beaucoup plus explicite. Donc Turbolinx, c'est assez implicite, vous avez vraiment besoin de faire de spécial. Unpolice, c'est très explicite. C'est-à-dire que vous allez par exemple mettre un attribut sur un lien qui va lui dire, eh ben, si je clique sur ce lien, je veux que re-rendre cette chose-là. Et si je clique sur celui-là, je veux que re-rendre cette chose-là. Etc. etc. Et puis vous pouvez même faire des modèles rendus que côté serveur avec cette technique où ça va aller fetcher un Ajax, une vue, et vous l'afficher en modal, etc. Donc c'est vraiment fait pour en fait ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête avec un gros framework front et qui ont envie tout simplement de travailler sur leur stack préféré, parce que ça vous permet du coup d'avoir un rendu par là en Edge, mais en Laravel en Blade, en Symfony en Twig, en Rails en ERB, etc. Et ça vous permet bon, de faire rendre des modales et des tours comme ça sans vous casser la tête avec du JS en front. Donc c'est vraiment plutôt sympa. Je ferai ton monkey tester si tu veux. Si je peux comprendre du JS, c'est WinJS, bah avec plaisir. Le but justement, c'est que quelqu'un qui n'y connaisse rien en JavaScript puisse apprendre petit à petit et après bah, arriver à construire des applications. Pas d'ExpressJS, non, mais par contre il y aura des vidéos certainement qui vont expliquer ces technologies, parce que ces technologies existent et mon but c'est pas de les oublier, les mettre oubliettes, mais par contre je dirais pas forcément du bien de ces différentes librairies, tout dépend bien évidemment de la librairie qui sera utilisée. Voilà, quitte à faire une vidéo un peu putaclic comme on dit, accrocheur, quel framework Node utiliser pour 2022, et puis je la ressors chaque année, comme ça c'est pas mal, ça fait des clics et des vues. Voilà, donc ça c'est le fil rouge. Et donc le code, bon, il y en a peut-être qui n'ont jamais utilisé Adonis, mais concrètement Adonis, qu'est-ce que c'est ? Ben, si vous prenez Rails pour ceux qui font du Ruby, vous prenez Laravel pour ceux qui font du PHP, et vous le mettez du côté Node.js, et ben c'est Adonis. Donc c'est un framework dédié à Node qui est fait pour faire des applications full stack écrites en TypeScript. Et on peut voir où on en est, histoire que ben, on récapitule pour ceux peut-être qui ont suivi, ceux qui n'ont pas suivi, et moi-même, où on en était dans le code source. Donc concrètement, comment ça se passe ? Alors il faudra qu'on fasse un peu de cleaning, hein, mais on a un Docker ici. Docker il sert simplement à lancer Postgres, et je vais d'ailleurs tout de suite le lancer. Hein. Donc je vais déjà lancer Docker en lui-même. Hein. Donc Docker, moi je l'utilise. Donc là je tourne sur Windows, ce qui se posait la question. Et que ce soit sur Windows ou que ce soit sur macOS, Linux, j'utilise pas pour dev pour le moment en tout cas. J'utilise principalement Docker pour faire tourner les services que mon application va utiliser. Okay, donc il y a beaucoup de gens qui vous parlent d'utiliser Docker et tout ça en dev et tout ça. Et c'est en fait compliqué du moment où vous voulez placer votre code dans le container. Parce qu'à ce moment-là, il faut faire une liaison de modules, et sur macOS et Windows, c'est très lent. Alors moi, je pars toujours du principe, parce que Node nous le permet facilement, c'est pas forcément le cas de tous les langages, mais de switcher rapidement de version de Node, et c'est pas embêtant d'installer, c'est très facile d'installer Node sur une machine, avec Volta par exemple. Et du coup moi j'ai toujours le code, donc le code source va tourner sur l'autre, comme on dit, donc sur ma machine à moi, hein, que ce soit sur mon Mac ou sur ce PC. Et par contre tous les services à côté, j'ai pas envie de me casser la tête à les installer. On peut penser à Postgres, on peut penser à Redis, on peut penser peut-être à des systèmes de queue, etc., RabbitMQ ou autre. Moi tous ces services je vais les mettre dans un container Docker et partager le port. Voilà, donc comme ça, ben, sur chacun de mes projets, j'ai un Docker Compose qui va me lancer tous les services que j'ai besoin. Alors, en l'occurrence, dans ce projet-là, j'ai besoin que de Postgres pour le moment. Peut-être j'aurai besoin d'un Redis après. Et quand j'aurai besoin d'un Redis, eh ben, je vais m'ajouter une clé Redis et ça va me tâcher l'image et ça va me la monter. Comme ça, dans mon application, je peux l'utiliser. Et concrètement, ce que je fais moi, ben, j'arrive dans mon code. Je fais un Docker Compose up-d et voilà, j'ai ma base de données Postgres qui est tout simplement lancé et qui est prête à être utilisé par mon code source. Comme ça, j'ai pas les pertes de performance qu'on pourrait avoir sur Windows ou macOS. J'hésite entre Nest et Adonis pour la refonte d'un gros backend. Tu conseilles quoi ? Moi, je suis pas peut-être la meilleure personne placée pour te conseiller quelque chose. Alors après, ça sera à toi de décider, hein, parce qu'on va dire que je suis biaisé et je le suis un peu vu que je suis encore contributeur d'Adonis. Donc je te conseillerais bien évidemment Adonis, mais après bon, j'ai des arguments pour et contre, mais je te conseillerais peut-être de demander à d'autres gens, parce que comme je dis, ce que je vais dire va peut-être être à prendre avec des pincettes vu que je suis un peu biaisé. Alors moi je trouve que je ne le suis pas, je trouve que je donne des arguments factuels, mais on me dit souvent, j'ai l'impression que c'est un peu le cas, si quelqu'un est proche ou de près ou de loin à une tech, il faut plus l'écouter, il y a des gens qui disent ça, donc voilà. En prod j'utilise aussi Docker pour ce que j'ai besoin d'utiliser. Et salut Xaiko,
une objectivité totale envers Adonis. Bref, du coup là j'ai la DB qui tourne, on va aller voir à quoi ressemble le schéma tout simplement de la DB. Donc là j'ai Docker, paf, on va rentrer dedans, et la base de données c'est slywork.io. Alors comment je zoome, je crois que c'est menu, c'est Ctrl Shift plus, pas du tout, ou ça zoome peut-être seulement les, ça. Ctrl plus, ouais Ctrl plus, mais ça zoome pas l'interface. Alors j'ai une table épisode, une table formation série, une table série et une table users. Donc on va voir à peu près à quoi ça sert, mais une fois qu'on est dans le code, ok, mais concrètement c'est ce qu'on a. Pour le coup, c'est quoi tes arguments positifs sur Adonis? Alors, si tu le permets, je vais juste finir la présentation d'où on en était et après on peut en parler. Ok, histoire comme ça, on peut papoter. Puis je peux te donner après la présentation plus de, d'exemples en fait, vu qu'on verra le code. Ok, donc là, j'ai mon Docker Compose. Suivi de ça, on va voir juste le schéma. Donc de la base de données, on a des migrations ici. Donc on a user, comme j'ai dit, série, épisode et formation. Donc vu que ça sera un site de formation, on l'avait fait en live, ce faire qui est en rediff sur ma chaîne YouTube, où on parlait de l'architecture de la base de données pour architecturer les différentes vidéos qui vont être mises en ligne. Okay, puis là, j'avais pris exemple, ce faire sur... Et merci Nozarashi pour ton 9e mois d'abonnement. Merci beaucoup, ça fait plaisir. On avait discuté de ça pendant, je pense, 2 heures. Sur les différentes architectures qu'on pouvait revoir et trouver sur des sites qui existent déjà. Par exemple, on avait pris exemple sur GraphicArt et sur Laracast, je crois. Et sur CodeSchool, je crois. Pour ceux qui ont connu, ça n'existe plus maintenant. Je crois que c'est tout. Peut-être sur Fontaine Master aussi. Mais concrètement, bon, la table user, il n'y a rien de spécial à voir. Hein. On utilise des UID ici, créer ta date, username, email, password, status, role. Voilà, rien de standard. Et du coup, on avait décidé d'avoir un système où il y avait des séries. Des épisodes, mais attendez, je crois que j'ai le schéma en fait, ça sera peut-être plus visible pour vous visuellement. Attendez, je me log sur DrawSQL et sur DrawSQL j'ai un truc là. Alors il est pas forcément ultra accurate, mais en gros, il est accurate mais il sert à rien en fait. Donc on aura des séries, enfin on aura déjà un tout petit niveau des épisodes. Donc un épisode, il y aura un nom, une description, un slug, on s'en fout, une durée, l'URL pointant vers la vidéo, un niveau de difficulté, et après il peut peut-être ou pas pointer sur une série. Okay. Donc un épisode, ça peut être un épisode indépendant ou ça peut être un épisode qui fait partie d'une série. Okay. Donc une série, bah, on pourrait imaginer par exemple, je sais pas, une série Spider-Man, voilà, la série s'appelle Spider-Man et il y a l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Okay. Donc ça reprend un peu le concept des films. Du coup, une série, ben, c'est un nom, une description, un slug, un logo, une difficulté à nouveau pour la série et après un ordre de vidéo pour définir l'ordre dans la, des épisodes qu'il y a dans cette série. Ok ? J'aurais juste à me dire code duplicate, hein, c'est ça, voilà. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle des formations. Donc formation, il faut voir ça comme un bundle d'épisodes ou de séries. Ok ? Par exemple, on pourrait avoir une série qui s'appelle Les Bases de Symfony. Puis une autre série qui s'appelle Symfony Technique Avancée, okay, qui contient les 2-10 épisodes par exemple. Et après on a une formation qui s'appelait Apprendre Symfony. Et dans cette formation, il y aurait la série Les Bases de Symfony, puis la série Symfony Technique Avancée, puis peut-être une série qui n'a rien à voir directement avec Symfony mais qui s'appelle Tester votre application PHP, par exemple, hein, j'imagine, etc., etc. Et donc ça, c'est un niveau encore en dessous. Par exemple, on pourrait reprendre le système de vraie série de films, qu'on a le système, la formation Avengers, et dedans, on aurait des séries type sur Spider-Man, une série sur Iron Man, etc., etc. Et dedans, il y aurait des épisodes. Ok, je pense que c'est clair. C'est quoi le logiciel dont tu te sers? C'est Table Plus, si jamais, pour la DB. Et voilà, puis là, bah, c'était faire des liaisons. Formation SAC. Voilà. Donc c'est l'architecture qu'on avait imaginée ensemble pour le site, tout simplement. Et après, bah, on avait commencé à coder. On avait déjà le système d'authentification et je crois qu'on faisait. On travaillait sur le CRUD là pour l'épisode formation et série. Voilà, je crois que c'est là où on en était. Et ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter l'authentification sociale, donc via GitHub sur le site. Voilà, c'est ce qu'on va faire ce soir. Et pour répondre du coup à ta question Akana, si tu es toujours là, en fait, Adonis, c'est ce qu'on appelle un framework qui part du principe des systèmes intégrés. C'est-à-dire qu'en fait, chaque partie d'un système va connaître l'entier du système. En tout cas, une partie spécifique.
Et ça permet de faire des choses assez sympas. Donc c'est le même principe qu'utilise si jamais Laravel ou Rails, justement, les frameworks sur lesquels Adonis est basé. Et c'est un système assez sympa où du coup tu peux avoir un système très modulaire mais pourtant très intégré. Pour te donner un exemple, par exemple, quand tu vas installer la base de données, auquel le système de gestion de base de données, si tu dis celui d'Adonis, bien évidemment, lui-même, il sait que tu vas utiliser le validateur qui est dans Adonis, et il va du coup automatiquement y ajouter des règles. Par exemple, la règle exist ou unique, qui va vérifier que quelque chose existe ou est unique dans la base de données. Tu vois, un exemple comme un autre. Ou par exemple, le système d'authentification que tu vas installer sait que tu vas utiliser peut-être Lucid ou le système en tout cas de base de données de Adonis, et si c'est le cas il va y insérer des fonctions et aller te permettre d'automatiquement aller chercher tes utilisateurs parce qu'en fait les systèmes se parlent entre eux et se connaissent. Ok, donc ça c'est un point précis. Et donc Adonis, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un framework très modulaire, très léger de base, et qui va amener plein de modules officiels qui vont pouvoir s'interfacer et se mettre ensemble afin que tu puisses, toi en tant que développeur, que tu sois seul ou avec une équipe, construire une application par-dessus et être rapidement productif. Ok, c'est le concept d'être rapidement productif, et on travaille du coup avec des drivers, des adaptateurs, etc. pour qu'en fait tout soit modulaire en même temps, c'est-à-dire que si tu veux changer quelque chose, ben tu peux. Là où en fait Nest, si on va voir la, on peut aller voir la doc après, mais Nest en fait pour moi c'est plus une surcouche à un routeur qui est par exemple Express ou Fastify, et déjà je trouve ça un peu bête de te permettre de choisir les deux, mais bon ça c'est un autre débat. Et par dessus tu vas pouvoir y ajouter des modules, mais en fait Nest ne va rien t'offrir vraiment d'extraordinaire, c'est à dire que si tu veux par exemple parser des cookies dans ton application Nest, et ben dans la doc, si tu la lis, ça te dit, eh ben si tu utilises Express, il faut t'installer Express Cookie, et si tu utilises Fastify, tu vas utiliser Fastify Cookie. Tu dis, ok, bon, bah, t'installes le paquet, et puis après, si tu veux utiliser des sessions, voilà, il va te dire, ah, bah super, tu veux utiliser des sessions, alors installe Express Session ou Fastify Session, suivant le routeur que tu as choisi, peut-être, bah, super. Après, tu dis, ah, je veux faire du file upload, et puis il te dit, ah, bah, tu veux faire du file upload, alors installe Multer si tu utilises Express et si tu utilises Fastify, malheureusement, on n'a pas de solution parce qu'il n'y en a pas pour Fastify. Et en fait, tu te retrouves à utiliser un framework, donc Nest, et toute ta stack va être basée sur le routeur. Et en fait, si tu ne vas pas installer des modules par-dessus qui ont été bien construits, qui sont faits pour bien fonctionner avec Nest, tu vas installer les modules de base du routeur que tu vas utiliser. Et là, c'est la réflexion à se poser, c'est en fait, pourquoi tu utilises un framework? Quel est le but du framework que tu as envie d'utiliser? Quel est l'avantage d'utiliser Nest plutôt que d'installer toi-même Express et d'installer Express Session, Express Cookie et Multer par-dessus en fait? Parce que là, si tu fais un framework maison, hein, donc c'est le cas si tu fais ta stack maison avec Fastify, Express, Koa et autres, et que tu commences à construire tes petites briques avec les modules, bah, au moins tu as l'avantage d'être complètement libre dans tes choix. Alors c'est un avantage et un inconvénient en même temps, ça, bien sûr c'est à toi de voir, mais au moins tu as cet avantage. Tandis que dans Nest, eh ben, tu es quand même bridé à un peu le framework, mais en même temps tu construis un peu un truc maison. Si tu construis une architecture maison avec des modules que tu vas installer à droite à gauche, etc., il n'y a rien qui est vraiment lié. C'est vraiment en fait leur doc est rempli de modules. La validation, ils vont t'installer classe validator comme module de base ou autre chose, et puis tu as 4 choix différents pour les ORM. Au final, ça, c'est quoi le concept, tu vois? Est-ce que c'est plutôt une doc pour construire une application? Et au final, ce que t'apporte Nest, c'est simplement un IOC qui est aussi dans Adonis, mais c'est tout, rien de plus. Il t'offre un truc quand même qui est pas mal, moi j'ai jamais utilisé, mais c'est le système de modules à première vue qui est bien foutu, qui ressemble à celui d'Angular. Mais du coup, pour moi, en fait, ils sont pas compétitifs au même niveau. Dans le sens où Adonis c'est vraiment un vrai framework, dans le sens avec plein de modules qui sont pas installés de base, donc il est léger de base, mais que tu peux installer par-dessus des modules officiels maintenus par la core team, et il y a des modules communautaires, et quand tu installes un module, il va s'interfacer, il va rentrer dans ton application, et tout va être en symbiose. C'est-à-dire que quand tu vas utiliser Nest, et ben, tu vas devoir toi-même faire du patching pour tes modules, pour les installer, etc. etc. Donc c'est vraiment une expérience, je trouve, moins bonne. Voilà, ce sont mes arguments. Apprendre ou à laisser. Après le mieux, le truc que j'ai toujours, bah, essaye les deux et fais-toi un avis, quoi. C'est le plus simple. Ok. Alors, il y a un truc qu'on va faire, c'est que je vais regarder les fichiers qui ont été modifiés parce que je vais devoir en supprimer quelques-uns vu que j'ai fait des modifications à la mano. Donc là, on est bon. Sur celui-là, je vais tout supprimer. Attends, je vais faire un rollback sur ces deux fichiers. Rollback. Et qu'est-ce que j'avais fait dans l'authentification? Ouais, j'avais await ça, on s'en fout. Et ça, je peux le supprimer. Delete. Voilà, ça, je peux pas le rollback.
scroll back. Voilà. Cool. J'ai regardé tes précédents lives, j'ai bien aimé Denis, c'est dommage qu'il y ait peu d'offres d'emploi qui proposent de bosser avec. Ouais, je trouve ça dommage aussi, mais il y en a de plus en plus qui arrivent, donc ça fait vraiment plaisir. Après, en tant que freelance, je sais pas si ça vous arrive souvent d'imposer, qu'on vous impose une stack en fait. Sinon, vous pouvez toujours imposer la vôtre, quoi. On peut-on utiliser un Denis en tant que backend uniquement et avoir une app React? Bien sûr, pas de souci. Adonis, c'est un framework qui vous permet de faire soit une API, soit même en microservice, soit une application complète, comme celle qu'on est en train de construire là. Donc, c'est pour vous montrer. Parce que les gens, quand ils pensent à Node.js, généralement, vu que c'est du Node, hein, ils pensent souvent à API. Et en fait, Node ne s'arrête pas du tout à une API. Et c'est même très puissant pour faire des grosses applications backend avec un rendu côté serveur sans API. Et le but de ce site, c'est de vous montrer que c'est très facile à faire des bons sites, en fait, 100% rendu côté serveur. Voilà. Alors là, il me râle dessus, je pense, parce que il est pas formaté. Voilà, je sais pas ce qui manquait, mais c'est formaté maintenant. Yeah, je vois super bien. Merci pour l'explication. Yes. Après, il faut. En fait, c'est beaucoup plus simple de comprendre la puissance d'Adonis si vous venez de langages type PHP ou type Rails, enfin type Ruby. Si vous êtes 100% dans Node, c'est souvent compliqué à voir le. Parce que vous n'avez pas connu quelque chose de vraiment tout intégré et autre. Et du coup, c'est un concept assez nouveau et c'est difficile à expliquer. Salut Agdir. Ah yes. Chaque fois que tu viens, je veux que tu dises, tu mettes ton pseudo comme ça, je sais le prononcer. Hello, hello. Ok. Donc pour redonner en exemple, hein, comment on fait l'authentification? Eh ben c'est comme ça. Donc on a une route ici, show login form. Bon, attendez, on peut lancer le code. Hein. Donc comment on lance le code? Enfin node ace serve. W, comme ça il va écouter sur les fichiers et relancer le serveur au fur et à mesure qu'on fait des modifications. Je sais pas pourquoi j'ai plein de terminals lancés là. Donc là il build le projet, il lance Webpack qui est le truc le plus lent, et puis une fois que c'est lancé, on y a accès ici. Voilà, donc on n'a pas fait du tout le styling, hein, c'est normal, ça fait dégueulasse. Donc là on a un système de connexion, inscription. Et comment ça fonctionne? Alors, je sais pas pourquoi ça a pris 3 plombs pour l'afficher, maintenant ça va mieux. Et comment ça fonctionne du coup? Eh ben, on a une route qui va nous afficher la vue d'authentification, une route qui va nous authentifier, donc ça ressemble à ça. C'est vraiment du code très simple, hein. On récupère l'email et le password de la requête, on essaie d'authentifier avec le module d'authentification fourni par Adonis, et on redirige une fois que c'est fait. Et si ça marche pas, ben ça va gérer tout seul pour nous les erreurs. Inscription, pareil, on récupère le payload, on crée l'user. Donc on le valide au passage, hein. Là ça nous donne du coup le type correct, hein, username string, email string, password string. On crée ici l'utilisateur, on le log, on crée ici une URL signée et on envoie un email ici de validation afin que l'utilisateur valide son email et on redirige. Standard, le logout c'est standard et là on va valider l'utilisateur. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vérifie que le lien est valide avec du coup la signature, sinon on redirige à la racine. Après je récupère l'ID, je fetch l'utilisateur. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai fait en temps d'étape là. Je lui mets le statut actif et je sauvegarde l'utilisateur, puis après je le login. Alors ça pourrait être très bien refactorisé pour que ce soit un peu plus sexy, si vous voyez ce que je veux dire. Et après je redirige, donc c'est vraiment un truc, le contrôleur fait 63 lignes alors qu'on a l'inscription, la connexion, la validation de son email et le logout, voilà, qui fait 64 lignes si on prend en compte les imports et tout, donc c'est assez simpliste. Je sais pas si j'avais fait quelque chose là, non là j'avais rien fait de plus. Ok, et donc ce que je vais faire ce soir, comme je vous ai annoncé, qu'est-ce que j'ai modifié là encore? Ah mais ça c'est à cause des retours à la ligne là, voilà, ils sont CRLF et là c'est du LF, je crois que c'est du LF hein, que j'ai demandé, attendez. Editor config, c'est du LF1. Hein. Ouais. Il faudrait que je relance, complète le. Je mets le big. Bref, c'est pas la discussion. Donc, on va faire une connexion avec un OAuth provider. Hein. Donc, c'est comme si vous voulez vous connecter via Twitter, via GitHub, via Google, etc., etc. Et vu que c'est un site qui va traiter du développement, je me suis dit quoi de mieux que d'avoir GitHub. Alors, je sais pas si vous avez tendance à en utiliser d'autres, mais je me dis GitHub, je pense que c'est le seul que je vais mettre à disposition. Parce que c'est le seul que les développeurs devraient avoir, on va dire, et qui pourrait faciliter la vie. Je pense pas que Twitter, Google, Facebook, LinkedIn ou autre soient utiles dans mon cas, en fait. Donc, je pense fournir que GitHub. Au final, on s'en fout un peu parce que c'est un module, donc on peut en ajouter facilement à l'appel, comme on dit. Et donc, on est parti pour faire ce système de multi-auth, ok? Donc, comment on va le faire?
Et bon, on va déjà aller voir la doc de Adonis. Et ici, on a un package dans Authentication Social Oath qui s'appelle Ally. Et ça nous permet tout simplement de partir et d'authentifier via différents providers. Donc là, c'est Google, Twitter, LinkedIn, Facebook, Discord, Shopee, Spotify et GitHub de base. Et il y a des modules que des gens ont créés qui étendent ce Social Authentication. Donc c'est le concept justement de tout est intégré. Donc il y a des modules que la communauté a créés qui permettent d'authentifier sur d'autres services. Je ne sais pas exactement lesquels, il faudrait que j'aille voir, mais c'est assez simple à créer. Il y a des modules qui ont été créés par la communauté pour aider l'authentification. GitLab. Ouais, GitLab, mais je pense que GitHub est quand même le plus logique. Mais c'est vrai que GitLab pourrait être utile aussi. Ça pourrait être un bon module, vu qu'il n'est pas supporté de base, ça pourrait être un bon module additionnel s'il n'est pas déjà fait. Hein. Peut-être qu'il a déjà été fait. Je ne sais pas du tout. Mais on va partir déjà sur GitHub, ok? Donc on va installer le package AdonisJS Ally, donc on va voir comment ça s'installe. Donc là je vais ouvrir un deuxième petit terminal, et je vois que j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé npm. Donc on va faire un npm install du paquet AdonisJS Ally. Donc là il va simplement télécharger les dépendances requises et installer son petit paquet, tout tranquille, tout simplement. Donc là ça prend le temps que ça prend, hein, le temps qu'il refetch tout. Faudra que je mette à jour aussi le code, on va faire ça juste après. Parce qu'il y a eu pas mal de petites PR qu'on modifie 2-3 trucs. Voilà, donc ça a été fait. Je vais juste lancer un coup de NCU, histoire de voir les différentes dépendances que je devrais mettre à jour. Et on va profiter de les mettre à jour également. Donc le Ripple, on va le mettre à jour. Luxon, on va le mettre à jour. MGML, on va le mettre à jour. Postgres, on le met à jour, bien sûr. L'assembleur, on le met à jour. Symfony encore, on met à jour. L'autopréfixeur, on met à jour. Slint, on met à jour. On met à jour la config, Pinopretty, on le met à jour, PostCSS, on le met à jour, Tailwind, on le met à jour, Unpoly, on le met à jour, Yush. Alors Yush, je vais voir les modifications, parce que là on peut voir du coup que c'est une majeure, hein, donc on passe de la 2 à la 3. Et ces temps-ci, pour ceux qui l'ont remarqué dans l'écosystème, il y a beaucoup de mises à jour qui sont faites et qui vont passer simplement sur un ESM only. Et donc ça risque de casser, donc je vais voir. Alors une petite commande que peu de gens ne connaissent pas, c'est npm repo. Et là vous mettez le nom du paquet et ça va vous ouvrir tout simplement la page GitHub du repository en question. Ok ? Et moi mon but là c'est d'aller voir le changelog et je vais voir ce qu'il y a dans la 3.0. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial? Et ben on peut voir qu'il n'y a pas une mise à jour qui force ESM. Donc c'est parfait. Donc je pense que je peux l'installer. Le breaking change, c'est ceci. Donc je pense qu'on est libre de le mettre à jour. Et au pire des cas, c'est pas grave. On sait que c'est Yush. Okay, Yush terminal aussi. Et là, on est bon. On fait un petit coup de npm install et la vie est belle. Et toi, tu te prends un petit timeout ban. Allez, ça dégage. Voilà, donc là, si plus rien ne fonctionne, c'est normal, entre guillemets. NCU, c'est un package qui s'appelle npm check updates. Et vous pouvez lui donner des flags, par exemple, vous pouvez vous dire d'aller taper dans les bêta et autres. Et il va tout simplement vous lister les dépendances à mettre à jour et vous demander est-ce que tu veux mettre à jour celle-là, celle-là, celle-là. Et tu dis oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Et puis il te met à jour ton package.json et tes différentes dépendances. Et là, ça a été fait. Là on a le code à jour, hein, si je relance le serveur normalement tout devrait fonctionner. Yes, et on est bon. Ok, et ce qu'on va faire du coup, installer npm Ally, ça a été fait, et on va aller au tab suivant ici, configurer. Donc là on a une commande spéciale, vu que c'est des paquets à nouveau qui sont censés être dans un système intégré, hein, on a une commande qui s'appelle configure, et là si le paquet l'a configuré, eh ben, il peut prompter des choses à l'utilisateur, lui poser des questions afin de configurer le paquet dans votre code. Donc là en l'occurrence il va me demander, eh ben, écoute, quel provider tu aimerais utiliser? On a GitHub, Google, Twitter, donc là en appuyant sur espace je peux les cocher, je peux en cocher plusieurs. Moi comme je dis je veux GitHub, je vais juste cocher GitHub, je fais enter, et là il va me créer des fichiers, les fichiers de configuration, me mettre à jour mes variables d'environnement et tout simplement installer les paquets s'il y en a installés qui sont nécessaires, en l'occurrence il n'y en a pas ici. Puis je vais afficher les informations ici, donc là il me propose juste de valider des variables d'environnement. Moi j'utilise GitHub donc je vais copier ça. Et en fait on a un fichier .env.ts ici qui permet de définir tout simplement en fait un schéma pour nos variables d'environnement. Parce que dans beaucoup de frameworks, il n'y a aucun schéma fourni pour vos variables d'environnement et les variables d'environnement, c'est quelque chose qui est utilisé au runtime. C'est-à-dire que si vous oubliez de mettre une variable d'environnement, elle n'est peut-être pas validée et du coup au runtime, vous allez retrouver avec undefined et vous n'allez pas comprendre pourquoi votre code casse. Et en fait, dans Adonis, on s'est dit, ça serait bien de pouvoir les typer, donc lui dire le type qu'elle a pour que dans le code, on ait le type correct
Et en plus, on s'est dit, pourquoi pas les valider, en fait. Parce que j'aimerais bien que mon application pète au lancement même, qui me dit, tu m'as dit que tu définissais cette variable, je la vois pas. Plutôt que vous lancez le code, tout se passe bien, et puis un jour ou l'autre, vous voyez sur votre Bugsnag, et merci Monsieur Glox pour le sub, ça fait plaisir. Et vous voyez, du jour au lendemain, sur vos Sentry, LogRocket, Bugsnag ou autre service, ou même pas, vous recevez un mail comme quoi il y a une page qui ne fonctionne plus, et c'est parce que vous avez tout simplement oublié une variable d'environnement dans votre production. Voilà. Et du coup, maintenant, ça permet de valider et typer les variables. Donc là, par exemple, si ici j'enlève ces deux choses-là de GitHub et que je lance le code, il devrait me dire hop, ça ne compile pas. Voilà, là il me dit voilà, missing environment variable GitHub client ID. Et voilà, et là ça a cassé même au lancement. Paf, j'ai même pas le droit de lancer le truc. Ça me bourre une erreur à la gueule, ce qui est vraiment très pratique. Je les ai rajoutés pour voir que le serveur s'est relancé et ça a très bien fonctionné. Donc ça, c'est vraiment un truc que je trouve cool. Histoire de vous éviter de vous casser la tête. Et comme je dis, bah, ça permet de les typer également. Hein. Donc si on va dans les fichiers de config ici, où on les utilise, ici, bah, on peut voir que si je survole cette chose-là, on peut voir que du coup, bah, GitHub Client ID, ça retourne en string. Voilà, ce qui est très pratique. Là, je vais faire une petite modification, supprimer et remettre ceci, histoire de sauvegarder. Et comme ça, ça me tente tout ça juste. Donc ça, c'est une paire qu'il faut que je fasse, que je vais me noter sur une feuille de papier. Voilà, petit truc à changer. Donc qu'est-ce que comment ça fonctionne? Donc là j'ai installé Ally, ok. Et concrètement, eh ben, vu que j'ai demandé d'avoir GitHub, eh ben, il m'a mis qu'un seul driver qui est GitHub. Okay. Et dans le fichier de configuration, du coup, il me demande le client ID, le client secret et la callback URL. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de OAuth et ne savent même pas de quoi on est en train de parler? N'hésitez pas à le dire dans le chat, parce que si vous le dites, je vous explique ce que c'est. Si vous le dites pas, eh ben, je passe à la suite. En attendant que vous allez me répondre, je vais juste ouvrir une fenêtre parce que je pète de chaud sur place. Attendez. Yes, c'est mieux d'avoir les cheveux longs pour être un bon dev ou pas? Bah je sais pas, mais la plupart de devs que je connais, ils ont soit les cheveux longs, soit une longue barbe. Donc moi je me suis dit dans le doute, je laisse pousser mes cheveux quoi. C'est quoi l'outil? C'est pas un outil, c'est intégré à Adonis, pas d'outil. Je veux bien une explication, yes avec plaisir. Alors en fait, pour vous connecter à un site à différentes manières, il y a une manière que je trouve extrêmement chiante qui s'appelle Passwordless ou Magic Link, qui en fait vous allez donner votre email de votre compte et ça va vous envoyer un mail avec un token. Quand vous cliquez dessus, ça vous connecte. Okay. Donc ça, c'est un moyen. Je trouve moi horrible, mais bon, c'est pas la question. Le deuxième moyen, un peu plus traditionnel de l'époque en tout cas, parce que maintenant c'est un peu passwordless qui est un peu à la mode, consiste à, vous avez une paire d'informations qui permettent de vous identifier. Généralement, c'est un email qui est public ou un username qui est public et un mot de passe qui est secret, que vous connaissez. Et du coup, bah, en mettant cet email et ce mot de passe, donc ça fait une paire de credentials, de paire d'identifiants, ça permet de vous identifier et on se dit, ah, c'est bien Xaiko qui est sur le site et du coup, tu deviens Xaiko. Okay. Ça, c'est la technique traditionnelle. Maintenant, il y a une autre technique qui existe qui évite de devoir utiliser, de devoir gérer les passwords, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que chaque fois que vous vous inscrivez sur un site, vous donnez l'entière confiance aux développeurs du site pour un, ne pas avoir fait d'erreur de code qui amène à une faille de sécurité, et on peut voir avec les mails qu'on reçoit et autres qu'il y a souvent des failles de sécurité avec des leaks, et deux, que les mots de passe sont stockés correctement, et on peut voir que même sur des sites de l'utilité publique, eh ben, les mots de passe ne sont pas stocké correctement. Malheureusement, hein, c'est un problème qui est très présent. Et du coup, votre mot de passe est stocké entre guillemets en clair, comme on dit. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas haché dans la base de données. Si ici, je vais voir ma base de données et mes users, bon, on peut voir que j'en ai pas, donc je ne peux pas vous donner d'exemple. Mais les mots de passe ici sont hachés via Argon, qui est un système de chiffrement et spécialement de cryptographique et spécialement de hachage de mots de passe. C'est le but du système. Donc il faut faire confiance que votre mot de passe soit pas stocké en clair, qu'il soit haché et haché correctement. MD5 ou SHA-1 ou autres ne sont pas des hashes faits pour hacher des mots de passe. Et vous devez faire confiance également aux développeurs pour qu'il n'y ait pas de faille de sécurité. Okay, donc c'est trois points à faire attention que les gens ont souvent tendance à ignorer quand ils s'inscrivent sur un site.
pour ça qu'on conseille souvent d'utiliser un gestionnaire de mot de passe qui va vous faire un mot de passe unique, ce qui évite dans le cas où le site se fait pirater ou que ça soit stocké en clair, que votre mot de passe puisse être utilisé pour se connecter ailleurs. Surtout si vous utilisez tout le temps le même email et le même mot de passe, ben vous inscrivez sur un site qui se fait pirater, ben là vous devez changer votre mot de passe partout. C'est pas ouf. Surtout si vous utilisez sur le même email, quoi. Et donc, on a inventé deux choses. Le passwordless, voilà, premier point. Et le deuxième point, c'est le système de OAuth. Donc le système de OAuth va vous permettre de vous authentifier via un provider tiers, ok, qui peut être Twitter, qui peut être Google, qui peut être GitHub, qui peut être YouTube, j'en sais rien, etc. Enfin, YouTube, c'est Google. Et du coup, comment ça fonctionne? Et bien en fait, vous allez envoyer une demande à GitHub, une demande à Google, etc. Vous faites sign in with GitHub, machin. Et sur le site où vous allez arriver, ça va vous dire hey, « Eh, salut, il y a Slywork qui aimerait accéder à ton email ou à d'autres infos, bien évidemment. » Et là, tu dis « Oui ou non, j'accepte ou j'accepte pas. » Donc là, il faut être connecté sur le provider, tu vois, par exemple GitHub. Et on le verra ça après. Et là, tu dis « Oui, j'accepte, parce que je sais que c'est sa demande. » Et là, GitHub va renvoyer en lien, va faire un callback, donc c'est cette URL, sur ton application à toi avec un code. Et après, avec ce code, tu vas pouvoir aller récupérer des informations sur cet utilisateur. Donc en gros, ça passe comme ça. Tu pars sur GitHub, tu dis Slywork a le droit d'accéder à mes informations email, que à mon email. Tu repars sur Slywork, Slywork fait la demande du coup de l'email. Tu récupères l'email et tu sais que cet utilisateur, c'est l'utilisateur 26256 de GitHub, par exemple, et qu'il a l'email X. Et du coup, tu dis OK, ça devient ta paire de credentials, donc l'ID du type et le provider, ça devient ta paire d'identifiants. Merci beaucoup Axwell pour le follow, 5 mois déjà. Excellent, merci. Et du coup, l'identifiant de l'utilisateur sur la plateforme et la plateforme devient sa paire d'identifiants qui permet de te dire « Ah, ok, c'est lui, c'est l'utilisateur de 256 000 de GitHub. » Et ben, paf, tu deviens l'utilisateur de 256 000 de GitHub sur mon site. Et ça, du coup, ça te permet, d'avoir un seul compte sur une plateforme GitHub, Twitter, etc. Donc ça te permet de t'éviter de te casser la tête avec 250 mots de passe, tu le changes à un seul endroit. Et merci beaucoup Silver L pour le follow, ça fait plaisir. Et ça permet en plus de pas avoir à gérer en fait les mots de passe, tout simplement. Et donc c'est comme ça que fonctionne le OAuth. Alors après, bien évidemment, il y a des trucs un peu plus techniques ou autres, mais c'est comme ça que nous, on va l'utiliser ce soir. Benjamin Code, c'est l'exemple. Et merci beaucoup. Cube Sandra pour le raid, merci beaucoup, ça fait plaisir. Bienvenue à tes viewers, comment vous allez et qu'est-ce que vous faisiez? Ça fait plaisir. Est-ce qu'il faut le considérer comme un bon dev? Salut Magie, salut. Yes, salut Cube Sandra. Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais? Qui es-tu? Présente-toi. Bienvenue à tes viewers, en tout cas, ça fait plaisir. Un petit raid. On expliquait ce que c'était l'OAuth 2, pour ceux qui connaissent. Et j'espère du coup que j'ai répondu à ta question, Psycho. Ah oui, petite chose à noter aussi, on a passé les 1000 followers là. On les a passés hors live. La tristesse. Ouais, super, merci, super, avec plaisir. Ah, merci, une app pour aider les designers à récupérer du feedback. Ah, ça c'est bien ça. Ça manque les feedbacks clients. Souvent on te dit ouais, c'est très bien, ouais, c'est génial, ouais. Puis à la fin on te dit non, ça va pas. Ça marche, tu faisais une app sur quoi? Une app mobile ou une app web du coup? Je pense plus web et tout. Ça c'est cool, c'est un bon projet ça. Et là, c'était du build Android, donc bien relou. React Native, ok, React Native. Ouais, effectivement, ça peut être assez relou à build React Native. Le truc chiant avec React Native, c'est quand tu oublies l'application dans un coin et après, tu veux la recompiler pour les nouveaux SDK et c'est horrible, des fois. Avec Expo, j'imagine, puis tes Expo pour te faciliter un peu la vie. Ah, c'est cool. Bah, bienvenue en tout cas à tes viewers. Moi, c'est Romain pour me présenter, hein, comme le nom de la chaîne, Romain Lance. Voilà, c'est mon nom et prénom. Je fais principalement du dev web, que ce soit back-end ou front-end, spécialisé en JavaScript. Donc je fais également du React natif pour tout ce qui est téléphone, hein. Je suis spécialisé JavaScript. Et là, on est en train de construire Slywork, qui est un site de formation pour le JS, donc pour vous-même qui ferez aussi du React natif par exemple. Et on est en train de travailler ici sur le OAuth 2, donc ça va être une notification via GitHub. On utilise Adonis, on utilise une stack assez simpliste, Adonis, Alpine, Tailwind, Unpoly et Postgres, qui a été expliqué au début du live, mais que je peux réexpliquer si jamais vous avez des questions dessus. Et ce que j'étais en train de faire là actuellement, c'était de setup GitHub en tant que provider pour mon OAuth. Mais ouais, pas mal si ça tente de regarder le site en construction, il avance, switchu.com, et toi alors? Yes, je regarderai après le live du coup, histoire qu'on avance un peu dans ce développement, parce que j'écris 20 lignes de code alors que ça fait une heure. Premier du live stream, hein.
Voilà. Et puis bah moi, bah, bienvenue à tous. En tout cas, ça fait plaisir. Je live normalement régulièrement, au moins une fois par semaine. Là, ça fait 2 mois. Non, ça fait pas 2 mois. Ça fait un certain nombre de temps que j'ai pas streamé. Mais ça devrait reprendre petit à petit. Alors du coup, bah, pour vous expliquer ce que ça fait. Donc on a installé Ally, qui est le système de authentification d'Adonis. Et ici, on a donc un fichier de configuration qui a été créé. On a dit à Ally qu'on voulait que GitHub, donc on a que GitHub. Et ici, on a Client ID et Client Secret. Donc ce que je vais aller faire maintenant, c'est aller sur GitHub et me créer une application pour pouvoir récupérer ces informations. Et je vais vous montrer du coup comment ça fonctionne, ok? Je vais aller sur un autre onglet quand même pour éviter qu'il y ait des informations confidentielles qui soient affichées sur mon écran. Non, ça devrait être bon. Je vais essayer de pas leak les tokens. Mais là, voilà, dans GitHub, donc vous avez vos paramètres, vous avez Developer Settings en bas, et là, vous avez des différentes options, notamment une OAuth Apps, et c'est ce que vous allez faire. Donc là, je vais créer une OAuth Application, je vais l'appeler slywork.io, donc qui est le nom tout simplement de mon site. Là, je vais mettre l'URL qui est https://localhost, donc il faut une URL complète, hein, 2.3333, je crois... Ouais, c'est ça, 3333. La description, on s'en fout. Et le callback, ouais, j'ai décidé que ça serait un OAuth/github/callback. Voilà. Comme ça, si jamais dans le futur j'en veux d'autres, c'est une URL qui va être dynamique. Et donc ce GitHub-là pourrait être Google, pourrait être Twitter, et ça passerait très bien. Okay, donc là, je vais enregistrer l'application. Donc je clique sur enregistrer l'application. Et ça va me donner un client ID et un client secret. Ok, donc là je vais les renseigner sur mon fichier d'environnement que vous n'allez bien évidemment pas voir, sinon ça serait trop simple. Puis au pire, c'est pas grave, je le refresh. Donc client ID, c'est ça. Paf paf paf. Voilà, et le secret. Alors il faut juste que je mette mon identifiant GitHub, 2 secondes. Paf, paf. Voilà, j'ai mon secret qui sera affiché qu'une fois. Et je vais du coup l'enregistrer dans mon .env également. Voilà. Ok, et là c'est fait. Et du coup, une fois fait, eh ben, je peux maintenant m'authentifier via GitHub. Voilà, tout simplement. Là, il faut juste que je change le callback URL. Donc, on a dit que c'était OAuth/github/callback. Ok. Et là, on est prêt pour faire le développement. Cool comme projet en tout cas, bah merci. Moi sur ce, je vais aller manger. Bon appétit à toi. Merci, ça marche. Bon appétit à toi, Sandra. Et salut à toi, Jérémy. Yes, I do. Ok, et donc là, on est parti. Je vais du coup me créer un nouveau petit contrôleur. Que j'ai un terminal, je crois, de libre, celui-là. Donc on va faire un node ace make controller que je vais appeler social off. Et là, il va me mettre un S à off et on va l'enlever pour ce cas-là. Refactor, rename ici, et là on va mettre un petit S, on va enlever le S, voilà. Ok, donc dans ce contrôleur, ce qu'on va faire tout simplement, c'est 2 méthodes, ok, une qui va s'appeler redirect, et une qui va s'appeler callback. Ok, vous inquiétez pas, quand je vais sauvegarder, ça va indenter correctement, donc ne criez pas. Moi c'est un truc que je déteste quand je vois des screencasts, c'est les gens qui indentent pas correctement et qui font faux, entre guillemets, hein, genre les objets, il colle tout comme ça, alors que pour moi, ça doit être espacé correctement, etc., etc. Bref, là n'est pas la question. Ok. Et donc, comment le flow va se passer pour l'authentification? C'est la question qu'on se pose tous. Et là, je fais mon politicien qui remplit du temps. Du coup, le redirect, ça va juste être en ally redirect. Donc, attendez, je suis en mode sélection, je crois. Voilà. Donc, ça va être typé HTTP context contract. Et ici, là-dedans, en ayant installé ally, j'ai accès à ally. On peut le voir ici. Ally. OK. Et là-dedans, Sofer, je peux faire un ally.use. Et là, je vais pouvoir utiliser un provider. OK. Là, je vais utiliser GitHub. Je mettrai GitHub. Maintenant, le truc à noter, hein, il faut savoir que là, on a donc l'autocomplétion. Hein, comme vous avez pu voir, bon, il n'y a que GitHub en coup. Ici. Si vous vous souvenez bien, moi je vous ai parlé d'avoir une URL un peu dynamique pour que ça marche avec ce provider, mais avec d'autres si je décide d'en ajouter d'autres dans le futur. Donc en fait, GitHub, je ne vais pas le typer ici. Je vais récupérer params qui va permettre de récupérer les params de mon URL et je vais marquer params.provider ici. Comme ça, je vais être sûr que ça va être récupéré
de l'URL et après on va valider l'URL pour qu'on ait que les paramètres qu'on accepte. Salut Tapion, hello hello, ça fait un bail que t'as pas bossé sur Livework, yes. Ouais, non, t'as raison, ça fait un bail. Et une fois qu'on l'utilise en provider, on va faire redirect dessus. Voilà, donc ça c'est mon code, concrètement, il n'y a rien d'autre. On va faire un return de ça, et c'est vraiment un code standard, ok. Je vais aller définir les URL dans le fichier root, ici. Donc là, on va faire une root get, où on va aller taper sur slash, enfin, on n'a pas besoin du slash, donc c'est oauth, :provider, slash redirect, ok. Et ça, ça va aller taper sur le social auth controller.redirect. Ok. Et là, on va utiliser la petite méthode qui s'appelle where. Donc where, ça permet de valider des paramètres. Donc là, le paramètre que je veux valider, c'est provider. Et là, je vais mettre une expression régulière. Ok. Donc l'expression, et merci beaucoup Devlepsy pour le sub 3 mois déjà. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Salut à tous, salut à toi. Et là, je vais pouvoir lui mettre quelque chose ici et je vais simplement lui mettre GitHub. Okay. Donc là, si le provider ne match pas ce que j'ai mis là, donc GitHub, et par exemple, imaginons que j'ai en deuxième genre Google, eh ben, je pourrais le mettre comme ça, vous voyez. Et là, du coup, si ça ne match pas ça, en fait, eh ben, ça me fait une erreur 404. La route n'existe pas, tout simplement. Donc on peut tester. Hein. Je vais aller sur mon navigateur ici, je suis ici. Donc là, je vais aller dans oauth slash GitHub, enfin slash Twitter slash redirect, par exemple. On peut voir que j'ai une 404. Root not found, ok, donc ça c'est l'erreur de développement, hein, truc standard. Par contre, si je tape ici GitHub, ça va me rediriger normalement sur l'URL et il me dit secure. Ah oui, parce que j'ai mis HTTPS, attendez, il faut que j'ai modifié ça. Je me suis trompé. Alors, dans. Je crois que je me suis trompé aussi sur GitHub, bah, attendez, je vais aller vérifier ça. Donc là c'est bon, sur GitHub j'ai mis HTTPS. Par contre, vous m'avez rien dit, hein, le chat, vous m'avez rien dit. Alors je vais changer ça. Bon, je peux aussi juste l'enlever, c'est ce que je viens de faire, ça fonctionne, mais je vais quand même aller changer, sinon on va s'embêter. Developer settings, oh, app, slide work, et là je vais faire un changement ici, voilà, c'est sans le S et sans le S ici, update. Voilà, c'est bon. Alors je vais vous refaire l'exemple, ok, donc je vais tout supprimer, comme ça vous allez pouvoir voir de A à Z. 1333, voilà, donc là on est sur l'application. Ce que je vais faire aussi pour vous montrer le truc un peu plus en détail, je vais me créer le lien dans l'interface comme si c'était en vrai. Ok, donc c'est sur la page connexion. Ici, je vais ajouter un lien, donc en balise A. Ici A. Et là, ça va être fait. Je vais marquer connexion via GitHub. Voilà. Tac. Ici, ça va être en href. Et ça va donc partir sur le root helper qui va aller taper dans social. Contrôleur.redirect avec le paramètre ici provider GitHub. Ok. Donc là, si je vais sur la page connexion ici, là j'ai bien connexion via GitHub, je clique dessus, ça part sur GitHub et là GitHub me dit hey, est-ce que tu aimerais autoriser Livework à accéder à toutes tes informations personnelles et tes organisations? Et là, moi, je me dis, oulala, c'est pas ce que je veux. Moi, j'ai besoin que de l'email, ok? Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ici, dans la doc, si on descend un peu, on peut voir qu'on peut définir des scopes. Et moi, là, j'ai besoin de définir un seul scope, en l'occurrence, c'est le scope email. Il faut savoir que c'est typé, hein. Ici, vous pouvez tous les avoir, hein. User, user email, user flow, etc. Donc, c'est typé, vous les avez à l'avance. Mais là, en l'occurrence, je veux que définir le scope user email, ok? Donc, je reviens en arrière. Je reclique ici et là on peut voir qu'il me demande hey, j'ai besoin juste d'avoir accès à ton adresse email en read-only. Et moi là c'est à moi en tant qu'utilisateur de dire j'autorise ou pas. Ok, donc là j'ai 2-3 informations, hein. C'est écrit il y a moins d'un jour, ça va être redirigé sur cette URL là, il y a moins d'utilisateurs GitHub et c'est pas maintenu par GitHub, ce qui est tout à fait légitime, je vous demande. Et là je vais cliquer sur authorize et authorize ça va me donner un code d'accès ici. Ok, que je sais pas ce qui se passe si c'est leaké, je pense que les gens ont accès à mon email, j'en ai rien à foutre. Et du coup, ça pointe sur la route oauth GitHub callback. Ok, et j'ai reçu des mails de GitHub me disant hey, attention, t'as accès à une application. Et du coup, là, je suis sur oauth slash GitHub slash callback. Tout simplement, ok, ça permet du coup à mon application avec ce code là, plus le client secret, plus le client ID, à mon serveur à Denise d'aller chercher des informations sur moi-même. Ok. Et maintenant, on va faire du coup cette URL là. Donc, je vais aller dans mon fichier root ici, root get. Et là, on va faire un oauth à nouveau, slash 2.provider, slash callback.
Et là, on va aller taper dans le socialauthcontroller.callback. Ok ? Tout simplement. Et donc ici, on a notre petite route callback et maintenant, on va agir en fonction sur celle-là. Là, je vais mettre un petit ally. Ok, je vais typer ça HTTP context contract et on est parti pour créer l'utilisateur, le connecter, etc. etc. Hello, hello my controller. T'as mis HTTPS, t'as mis... Ah, merci les gars, vous êtes sympas. Bon, je vais regarder une série avec madame. Je te souhaite une bonne suite de code et merci pour le moment code. Merci que cette offre, ça marche. Dis bonjour à la madame de ma part et bonne série à toi. Récupère tout comme ça. Après, on fait une IA qui va contrôler le monde avec toutes les datas. Un truc qui... Moi, j'ai une idée un peu mieux. Alors, tu vas me dire ce que t'en penses. Hein. J'imagine bien un plugin, en fait, qui est lié à GitHub et en fait, qui va lire le code des gens et qui va permettre après de proposer du code à l'avance par rapport à ce que les gens tapent. Je sais pas ce que t'en penses. On pourrait appeler ça genre... copilote, un truc comme ça, genre il va t'aider, tu sais, comme un copilote, toi t'es le pilote, t'as un copilote à côté, je pense que ça pourrait être une idée sympa quoi. Ce code est valide qu'une fois, donc aucun souci. Ah ok, ça marche, Tapion. Je pense que tu as deux variantes de OO, c'est-à-dire. Enfin bref, du coup là on est dans notre callback, et donc là qu'est-ce qu'on va faire, c'est la question à se poser. Alors il y a différentes écoles, moi j'ai toujours fait un truc d'une façon, je vais vous le présenter, et après on va le refactoriser pour que ça se fasse mieux. Et vous allez voir, vous allez trouver ça assez sexy, je l'espère, donc j'espère que vous allez rester jusqu'au bout. Technique de youtubeur pour que vous restiez un peu plus longtemps. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Alors on peut déjà récupérer l'utilisateur. Donc comment on récupère l'utilisateur? Donc moi je vais appeler ça social user, et c'est en utilisant ally. Ok, donc là c'est un truc asynchrone, donc je vais mettre await, et il faut du coup que je mette cette fonction en asynchrone. Et là, en utilisant ally, eh ben, ici, je peux faire de nouveau un use. Je peux refaire un params.provider. Donc, il faudra que j'ai validé ici cette chose-là. Et là, je peux faire .user. Ok, donc là, il me râle dessus parce que je n'ai pas récupéré params. Et en faisant ça, si ici je return le social user, en fait, eh ben, on verra le social user dans le navigateur. Et on va tout de suite tester ça. Je vais juste revalider ici que c'est bien que GitHub. Voilà, comme cela. Et si on refait le test, je fais un petit F5 ici, et là, paf, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai mon utilisateur, donc là, j'ai toutes mes tralala trucs mûches de base. J'ai un token bearer pour accéder à mon email ici, hein, donc vous le voyez de façon ici, ça sert à rien de l'utiliser, il n'a pas plus de scope que ça. Donc on le voit ici, hein, le scope, user email, et ici, du coup, ben, j'ai les informations que je veux, j'ai mon ID, j'ai mon nickname, j'ai mon email, je sais si je suis vérifié ou pas. Ça c'est email verification state, et donc pourquoi on a ce original derrière? Ben, il faut savoir que le concept d'Adonis c'est aussi un peu de normaliser les informations. Ok, donc là c'est toutes les données qui ont été normalisées pour vous, donc nickname, ID, email, s'il est vérifié ou pas, et le nom, l'avatar. Et si vous avez besoin d'accéder à des informations un peu plus deep en fonction du provider, ben, vous avez quand même la réponse originale, et ça c'est la réponse originale de GitHub en fait, ok, qui m'est retournée. Ok. C'est quoi l'extension? C'est pas une extension, ça c'est intégré à Firefox. Il faut savoir que moi j'utilise Firefox pour le dev, j'utilise Firefox pour tout, parce que pour moi c'est le meilleur navigateur qui existe, tout simplement si on veut quelque chose qui n'est pas Chromium, et qui possède pour moi, même en système, enfin les dev tools de Firefox sont à mon avis beaucoup plus puissants que ceux de Chrome, malgré ce que les gens peuvent penser, voilà, tout simplement. Donc c'est intégré, ça, c'est intégré à Firefox, voilà, comme beaucoup de choses qui sont intégrées à Firefox. Ah ouais, je pense que c'est une bonne idée, je pense que Microsoft peut nous racheter l'idée. Ouais, je pense que c'est pas mal. Salut, je fais la même chose en ce moment avec Firebase et React Native, tu as déjà essayé Firebase? J'ai jamais essayé Firebase, jamais. Pourquoi pas essayer une fois? Et salut, I'm Codebreaker. Hello, hello, hello. Yes, ok, donc là on a notre utilisateur qui nous est bien retourné. Cool, donc qu'est-ce qu'on fait avec cet utilisateur maintenant? Donc là, je vais juste vérifier ce que Tapion m'a dit, ou il m'a menti. Effectivement, il m'a pas menti, on peut utiliser le code qu'une seule fois. Cool. Ok, donc ici, on revient là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors, d'après vous, quel est le flow que vous imagineriez quand vous récupérez cet utilisateur-là en callback? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Je vous laisse me dire. Je vous laisse genre 30 secondes, le temps que j'ai me recharger mon verre d'eau que je vais finir maintenant. Ok, je vais lire ce que vous allez penser et je vais vous dire comment moi je l'imagine, et après on peut un peu en discuter, ok? Donc je reviens très vite, je vais charger mon verre d'eau. À toute.
Et dommage que nous, les Angular, on n'a pas l'Angular DevTools sur Firefox. Ah ouais, peut-être ça, par contre, ouais. Les DevTools sont top, ouais. Clairement, moi j'adore les DevTools, rien que le truc de front, t'es fou. Stocker son token. Non ! Save en token si le JSON obtecté le réuse au cas où. Non plus. Alors ça... Alors après, il y a différents moyens de faire de l'OO, enfin, donc ce que vous dites n'est pas forcément faux, ok? Tout dépend si vous voulez avoir une réplication d'utilisateur local ou pas. Ça, c'est à vous de décider. Si vous voulez pas du tout, du coup, il faut... et que vous avez qu'un seul provider, en fait, bah, vous allez simplement utiliser l'ID qui vous est retourné. Hein. Donc là, si je réautorise, on pourra le revoir. Alors attendez, il faut que je le refasse une fois de A à Z, histoire qu'on puisse voir. Connexion via GitHub, Schmilblick... Voilà. Alors il faut que je retourne le social user, sinon ça va pas aller. Ok, on va refaire encore une fois. Connexion via GitHub. Voilà. Alors soit, en fait, vous avez deux moyens de faire. Si vous avez que un utilisateur en OO, ok, vous avez que utilisé GitHub, vous n'avez pas d'utilisateur local, oui, vous pouvez faire ça. Pardon. Vous pouvez décider que l'ID 27 de machin truc mûche là, qu'on voit ici, et ben c'est l'ID de mon user que je vais utiliser partout dans mon application. Et du coup, vous pouvez aussi stocker le token si jamais vous avez besoin d'aller fetcher de temps à autre des informations ou de lui donner accès à des repos, de vérifier ses repos, etc., etc. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, ce que je veux, moi, j'ai des utilisateurs qui fonctionnent via la credential standard, hein, email et password. Donc, moi, j'ai déjà un ID d'utilisateur en local, donc je ne vais pas pouvoir utiliser l'ID donné par le provider. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là ? Moi, mon but, c'est que cet utilisateur puisse se connecter et s'inscrire également. Okay ? Donc, je n'ai pas du tout besoin du token parce que j'ai l'information qui m'intéresse ici. J'ai trois informations qui m'intéressent ici. La première, c'est son ID. Son ID m'intéresse quand même parce que, souvenez-vous, je vous ai dit avant, que je vous explique un peu le OAuth, son ID, c'est quelque chose qui ne va jamais changer, normalement, chez le provider en question. Et du coup, si je lis un ID et le nom du provider, GitHub, ici, eh ben non, je peux, avec ces deux informations, savoir exactement qui c'est comme utilisateur. Ok, c'est le concept. Du coup, là, je sais que l'ID 27000, enfin, c'est pas 27000, 2700 machin, un truc mûche, c'est GitHub, c'est Romaland. Ça, je le sais, c'est clair et net. Du coup, avec une requête OAuth, si je reçois ces deux informations, je peux dire « Ah, bah moi, je sais que Romaland, c'est lui dans ma DB. Je te connecte en tant que Romaland. » Ok ? C'est comme ça que ça fonctionne dans mon cas. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire ? Ici, j'ai besoin, en premier lieu, de vérifier tout simplement si l'utilisateur est déjà enregistré chez moi. S'il est déjà enregistré chez moi, eh ben, je vais pouvoir le connecter avec sa paire d'identifiants et il est parti pour... il est authentifié. Tout est bon, tout est prêt. Donc comment on fait ça ? Alors on va le faire d'abord d'une manière simpliste et après on va le refactoriser en un truc un peu plus sexy. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Donc là je vais faire un try, ok, avec un catch déjà qui va être vide, comme cela. Et dans le try, qu'est-ce qu'on va y mettre ? Eh ben, je vais essayer d'aller récupérer un utilisateur qui map les deux critères que j'ai cités. Donc l'ID du provider et son nom, ok. Si ces deux données fonctionnent, map ensemble, et que j'ai un utilisateur qui possède ces deux données, et ben c'est comme si j'avais un mot de passe et un email qui map, je sais qui c'est, ok. C'est le but des identifiants, hein, c'est d'identifier quelque chose. Donc des identifiants, généralement on en a un, s'il est simple à trouver on en a deux, et ça permet d'avoir une paire d'identifiants, ok. Un petit update est créé. Non plus, tu verras. Tu récupères l'ID plus l'email du user et tu fais un get du user de ta DB. Oui, mais attention, l'email n'est pas quelque chose d'unique ni de immutable. C'est-à-dire que l'email peut changer chez moi ou il pourrait changer chez le client, le provider. Donc si je change mon compte GitHub et que je change l'email sur mon compte GitHub, ça serait con qu'une application décide d'utiliser l'email qui est retourné par le provider comme moyen d'identifier une personne. Parce que si je change mon email chez GitHub, je ne peux plus m'authentifier sur mon site. Et ça, c'est un problème, parce que l'email n'est pas immutable. L'ID, en revanche, est complètement immutable, et le nom du provider est complètement immutable. Ce sont deux données qui permettent d'identifier quelqu'un et qui ne changent pas. Et donc, c'est pour ça qu'on va utiliser ces deux données-là, et on ne va pas utiliser l'email pour identifier la personne. Par contre, l'email, on va l'utiliser pour autre chose, et vous allez tout de suite le voir. Pourquoi pas utiliser l'email simplement ? Ben, j'ai répondu à cette question. Salut quelqu'un, quelqu'un qui commence, est-ce que tu recommandes React ou Vue ? Je recommanderais plutôt Vue parce qu'il est plus simple à appréhender. Par contre, il faut savoir que React est, à mon avis, beaucoup plus puissant et permissif si ton but c'est de... Voilà. C'est, voilà.
C'est mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je vais déclarer une const qui s'appelle user, ok? Et on va faire un petit await, et on va utiliser le modèle user qui est donc importé ici, et on va aller faire une petite query SQL afin d'aller récupérer les informations que je vous ai données. Donc là, mon but, c'est de mapper sur le provider ID et le provider name, ok? Donc on va faire un petit where ici, on va se copier avec un deuxième petit where, et je vais tout simplement les copier ici, comme cela. Et après, je vais faire un first or fail. Ok. Donc, qu'est-ce que font ces méthodes-là? Donc là, je vais créer une query SQL avec le query builder de Lucid, qui est un wrapper par-dessus Next. Puis, je vais vérifier du coup que le OAuth provider ID est égal à l'ID qui m'est retourné par le provider. Puis, je vais mapper que le provider est égal au provider donné en paramètre, qui est GitHub ici en l'occurrence. Ok. Et là, je vais faire un first or fail. First or fail, ça veut dire essaye de le trouver, et si tu le trouves pas, et ben tu me craches une erreur à la gueule. Et en l'occurrence, là, j'ai un catch, donc pas besoin de s'occuper de catcher l'erreur pour le moment, ok? Donc à nouveau, on va faire un code qui n'est pas propre au début, qui fonctionne très bien, et qui peut être propre suivant comment vous allez penser, et après on va refactoriser ça en service, et ça sera un peu plus sympa à voir. Donc là, je récupère mon utilisateur, qu'est-ce que je fais après avec? Et ben je l'authentifie. Donc là, je vais utiliser auth, ok? Et je vais faire un auth.login et login prend un utilisateur qui est dans notre DB. Donc là, je lui dis ok, on a trouvé un utilisateur qui match nos identifiants. Du coup, on le connecte et après, je vais faire un petit réponse. Donc là, je vais faire un response. Et on va faire un response.redirect ici.to paf. Et on va faire slash. Ok. Donc là, c'est dans le cas où tout est merveille. L'utilisateur est déjà authentifié, enregistré chez nous avec ses identifiants. On le connecte, hop, et il est connecté. Tu penses quoi de Web3? Merci pour le troll. Qu'est-ce que tu penses du nouveau venu Svelte? Bah, j'aime bien Svelte, j'aime bien la syntaxe, j'aime bien le fait qu'il ne se laisse pas manipuler, on va dire, par ce que les autres frameworks font. Et il essaie de faire un truc à sa sauce et il le fait bien. Par contre, je trouve l'écosystème pour le moment très petit. Donc moi, pour des petites apps, des petits trucs comme ça, j'aimerais beaucoup l'utiliser. Pour des gros trucs, pour le moment, sauf si tu as envie de passer du temps à recréer des trucs, je te conseillerais d'éviter pour vraiment des grosses applications, quoi. Pour des jeux où tu pourrais faire des dingueries comme les Fast and Furious. Et bah, si on a plusieurs providers, c'est pas grave. Mais ça, on peut en discuter juste après que j'ai fini l'explication, si tu veux, Shoki. L'email, bien qu'il soit mutable, il change très rarement. Et je pense que c'est plus facile avec de login à un user à travers plusieurs providers. Pas du tout, justement. Et l'email ne change beaucoup plus souvent que ce que tu peux penser. En fait, il ne faut pas penser le meilleur des cas, il faut penser toujours le pire des cas en développement. Si ton utilisateur change l'email et il peut plus se connecter chez toi, t'es foutu. C'est pas une bonne solution. C'est de l'eau de source de la montagne, c'est de l'eau de source suisse du robinet, exactement, très fraîche. Grillé. Ok, donc ça, c'est dans le cadre meilleur des mondes. Tout se fonctionne. Maintenant, on va faire un deuxième try catch. Ok, donc là à nouveau, c'est pas très sexy et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Deuxième try catch, donc deuxième possibilité, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben là, on va aller vérifier. Du coup là, dans ce try catch là, on a déjà enlevé l'hypothèse que la personne est déjà enregistrée chez nous avec ce provider ID et ce provider name. Ok, donc cette personne n'est pas enregistrée chez nous. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va aller simplement valider que l'utilisateur existe pas avec, enfin quand personne existe déjà avec cet email. Ok, cet email ne soit pas déjà utilisé par quelqu'un. Donc là, on va faire un where email est égal à, et ici on va utiliser l'email du coup, point email, et là on va refaire un first or fail. Donc là, on va vérifier que cette query, est-ce qu'un utilisateur existe déjà dans le DB et qu'il y a déjà cet email? On pourrait par exemple imaginer que vous êtes une fois inscrit avec votre email et votre password et que vous décidez une fois dans un futur, vous ne savez pas si vous êtes inscrit, vous faites connecter avec GitHub et là, ça va avoir le même email et pouf! Eh ben avec le même email, ça vous dirait, eh ben non, Coco, t'es pas inscrit à GitHub, mais t'es déjà inscrit avec cet email, quoi. Okay. Donc là, on va pouvoir faire une petite flash de session et lui dire, eh ben écoute, on a un compte chez nous avec cet email, mais ben, c'est pas fait avec GitHub, quoi. Ok. Donc là, on va faire un petit flash ici avec une petite erreur et ça, on pourra restyliser ça. Donc là, on va pouvoir faire. L'email est déjà utilisé. Voilà, paf, et après on fait un petit return response.redirect .to route cette fois, donc on va rediriger sur une route et ça va être le auth-controller.show-login-form. Ok, donc on redirige sur le formulaire de connexion.
Dernier cas, donc là, on a l'utilisateur qui n'est pas déjà inscrit chez nous avec ce provider, qui n'est pas... l'email est libre, et donc on va l'enregistrer tout simplement. Donc là, on va faire un const user est égal à await user.create. Tac, et là, on va lui passer du coup le payload en fonction. Donc on va stocker son email, qui est récupéré du coup via le social user. On va stocker aussi les deux informations au off, comme cela. Ok. Puis après, une fois que c'est fait, on va le connecter donc au login user. Ok. Et à la fin, on va le rediriger. Voilà. Et ça, c'est notre flow simpliste pour le moment. Alors là, généralement, parce que j'ai pas défini encore ces champs hein, dans le modèle. Mais ça, c'est le schéma pas très bien écrit, on va dire, mais que j'ai envie d'avoir sur mon site. Mais comment faire pour le login user à travers plusieurs providers? C'est pas dans le cahier des charges en tout cas là, mais en fait concrètement il faut faire exactement la même chose que j'ai fait là, sauf que au lieu que ces deux champs soient stockés dans la table du user, tu fais une table de pivot. Donc ces deux champs sont stockés ailleurs, ok, dans une autre table, et après il est lié à un ID d'utilisateur chez nous. Donc tu fais le mapping sur la table par exemple de providers, je sais pas, provider authentication, tu la nommes comme tu veux, qui va aller taper dans l'ID et le name du provider, et si ça map, eh ben, tu vas récupérer l'utilisateur qui est lié à ça. Donc le mec qui peut avoir Google, il peut avoir Twitter, il peut avoir GitHub en même temps, eh ben, ces trois identifiants seront liés à la même identité qui est le user 26, par exemple, chez moi, en local, tu vois. Donc là, actuellement, moi, j'en veux que un. Donc, c'est pas grave si je stocke ces informations directement dans la table user. Je n'ai pas l'utilité d'en avoir plusieurs et je n'ai non plus pas l'utilité quand l'utilisateur qui a un email et password décide de lier son compte avec GitHub. Pour le moment, je n'ai pas l'utilité, mais même si je l'aurais, je pourrais le faire. C'est pas un souci. Comment ils seront déjà enregistrés au départ? Je comprends pas ta question, du coup. Comment ils sont enregistrés au départ? Il n'y a pas de départ, en fait. Si on va reprendre le cas, la cas par cas qu'on a fait ici, mais en imaginant qu'on pourrait avoir plusieurs providers de OAuth, GitHub et Twitter, on va prendre par exemple, et que ces deux OAuth pourraient être liés au même compte. Ok? Donc, c'est ce que tu me dis, par exemple. Eh bien, j'aurai une table, du coup, je vais la faire ici entre... J'aurai une table, par exemple, qui s'appelait OAuth, ok, avec un S, avec un user ID, un provider ID et un provider name. Ok, provider name. Donc là, imaginons j'ai le user 1. Ok. Le user 1, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il est sur le provider ID 1245. Voilà, très bien. Et c'est GitHub. Donc là, maintenant, je fais une authentification via GitHub. Je vois 1245. Je me dis, ok, c'est qui? C'est le user 1. J'authentifie le user 1 chez moi. Voilà. Maintenant, l'user 1, il se dit, ah, je vais lier mon compte Twitter. Donc, il va lier son compte Twitter, donc ça va enregistrer là-dedans. Ah, bah attends, user 1, c'est aussi, si jamais, 8945 sur Twitter. Voilà. Donc là, le mec, il arrive sur mon site, il dit, ok, bah, je veux me connecter via Twitter. Cette fois, je vois 8945 Twitter. Ah, c'est le user 1. Tac, j'authentifie le user 1. Etc, etc, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et salut, Chaos. Chaosland. Hello, hello, bienvenue sur le stream. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, là, tu peux avoir plusieurs providers liés au même user. Okay. Moi, en l'occurrence, j'en ai que un. Je ne veux pas d'autres providers. Et si j'en veux un dans le futur, je pourrais toujours migrer à nouveau les données. C'est pas important. Et donc, vu que j'en veux que un, et ben, ces deux informations, au lieu d'être dans une table secondaire liée avec une clé à un user, ben, j'ai qu'à les mettre directement dans la table du user. Et c'est ce que j'ai fait ici. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Il faudra manuellement que l'user associe les comptes. Pas forcément. Non? Pas forcément, parce qu'imagine que je n'ai jamais été inscrit, ok? Je n'ai jamais utilisé mon site. J'arrive sur mon site, ici. Je fais se connecter via GitHub, ok? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je fais mon schmilblick, j'arrive à la dernière étape. L'utilisateur n'est pas du tout sur mon système. Je me dis, ok, eh bien, écoute, je vais créer un utilisateur, ça va devenir l'ID 1, ok? Là, c'est la table user, ok? J'aurai un ID, j'aurai ici un email. Donc, je vais dire, ok, bah, le 1, c'est... utilisateur 1, c'est roman.lance@pm.me. Voilà. Et dans mon off, du coup, j'ai de nouveau mon user ID, j'ai de nouveau mon provider ID et j'ai de nouveau mon provider name. Donc pareil à ce qu'on a en bas. Et je vais après le lier, je vais dire ok, bah du coup, écoute, j'ai mon utilisateur, l'utilisateur 1, ok, qui vient d'être enregistré. Et ben l'utilisateur 1, qu'est-ce que c'est? Et ben c'est l'utilisateur 1245 sur GitHub. Voilà. Donc là, il a jamais authentifié, il clique juste sur s'authentifier via GitHub et pouf, il est authentifié via GitHub. Et après, sur son profil, il pourrait dire ah, je vais aussi m'authentifier via Twitter. Donc il clique sur
lié son compte Twitter depuis son profil et paf, ça fait un deuxième enregistrement. Boum, ici qui s'enregistre. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux développer plus. Pourquoi tu penses React plus puissant que Vue? Merci. Je trouve que sur React, tu as beaucoup plus de liberté par rapport à Vue, du fait que c'est que du JS. Alors attention, là, il y a les extrémistes qui vont dire non, c'est pas que du JS, c'est que du JS React. Il y a du JSX, mais du JSX au final, c'est de l'HTML avec du JS. Donc c'est très. Je trouve que tu es beaucoup plus libre en fait et beaucoup moins limité que sur un moteur de template comme Vue pour écrire du code. Alors après, ça c'est bien sûr à choix. Et je trouve que l'écosystème est beaucoup plus développé sur React. Et je trouve également que Vue 3 a fait une. Ils ont fait un tournus un peu dommage, je trouve, avec leur mise à jour malheureusement. Mais ça, c'est mon avis à moi. Tu utilises quoi comme base de données? Postgres. Tu penses quoi de Svelte? J'ai déjà répondu à cette question, j'aime beaucoup Svelte. J'aime beaucoup leur syntaxe, j'aime bien le fait qu'ils ne sont pas en fait. Je trouve que Vue s'inspire énormément de React et je trouve que Svelte, ils essaient de faire leur truc dans leur monde en pensant à un truc qui est utile pour le développeur et qui soit en même temps puissant pour l'utilisateur final. Et ils arrivent à bien le faire en fait. C'est ça que j'aime bien chez Svelte, c'est qu'ils font un truc à leur sauce. Ils n'essaient pas d'imiter la concurrence et autres, ils font vraiment leur truc à leur sauce et c'est cohérent, ça fonctionne bien. Le défaut de Svelte, c'est que c'est pas encore extrêmement utilisé. Et quand on parle en termes d'écosystème et de ressources, et ben ça va être dur de trouver des librairies de haute qualité en fait. C'est ça mon souci. Alors je prends le cas dans le cas dans le user s'est connecté la première fois avec GitHub. Il se déconnecte, il veut se connecter avec Twitter. Il faudra d'accord se connecter avec GitHub à suivre son compte Twitter, je pense. Ah bah oui, mais bah là t'as pas le choix là. Là, il n'y a aucun moyen de corriger ce souci. Hein. Peut-être l'erreur qu'il aura, c'est que l'email est déjà utilisé. Mais là, c'est pas ton problème. Le mec, il s'est créé un double compte, c'est pas ton problème. Hein. C'est comme si tu me dis, le mec, il s'inscrit une fois avec son email Google et son mot de passe, et après il revient et puis il s'inscrit avec son email Outlook et son nouveau mot de passe. Bah ouais, il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de solution. Hein. Si le mec décide de s'identifier avec des identifiants différents et qui ne sont pas liés à un compte, c'est pas ta faute, c'est pas ton problème. Tu peux rien y faire. Okay. Donc là, c'est notre flow standard. Donc le flow standard, on va le configurer, l'utiliser pour le tester et après, on va le refactoriser. Okay. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Il faut simplement qu'on modifie la base de données parce que ces deux champs-là ne sont pas dans la base de données. Okay. Du coup, je vais aller dans ma base de données ici, les migrations, et je vais aller modifier la migration user pour y ajouter les deux champs que j'ai cités avant. Okay. Donc là, on va avoir une table, on va avoir un petit string et ça va être le OAuth souligné provider souligné ID. Ok, c'est un champ qui va être pas unique du tout, qui va être nullable. Et du coup, il faut aussi que je mette que le mot de passe soit nullable, bien évidemment. Et on va s'arrêter là. Okay. Deuxième champ ici, paf, on va faire un petit la même chose avec le name ici. Et là, j'ai une question que je ne suis pas sûr en DB. Est-ce que un index d'unicité entre deux colonnes peut être mis si des colonnes sont nullables? C'est-à-dire, si j'ai deux fois la colonne nulle, est-ce que ça plante ou pas? Si GraphQR, tu es toujours dans le chat, tu devrais pouvoir répondre vu que tu en fais une formation en ce moment. Tu logs les IP avec les adresses MAC et tous les fingerprints et hop, problème réglé, double compte. J'aime pas trop forcer, mais si l'utilisateur arrive à sauf avec un autre provider et que l'email est reconnu par exemple, moi je l'associerais directement avec le provider. Bah, si tu fais une grosse faille de sécurité si tu fais ça, parce qu'il me suffit de moi créer un compte avec l'email du type sur un autre provider et fico bello, quand je me connecte via le OAuth, j'aurai le même email et paf, j'ai accès au compte du type alors que c'est pas du tout mon compte. Ce qui est clairement pas ouf de faire ça du coup, sauf si bien évidemment tu vérifies que l'email est valide avant chez le provider, parce qu'il pourra pas valider si le provider offre la validation des emails et offre l'information lors d'un login OAuth, ok. Mais dans ton cas, tu crées une grosse faille de sécurité si c'est mal géré du côté du provider. Ce qui est pas ouf. Tu vois ce que je veux dire? Ça plante, ok. Les arachis pensent que ça plante. Ça plante peut-être. On pourra faire un test. Mais concrètement, j'ai pas besoin de plus de champs. Ce que je pourrais rajouter à nouveau, c'est un index unique sur ces deux colonnes en même temps. Mais je sais pas, vu qu'elles sont nullables, ce qui se passe s'il y a deux fois nul. Comment se passe si un utilisateur se connecte avec GitHub, donc il n'a pas de mot de passe enregistré, plus tard il veut se connecter par email avec le même compte GitHub? Alors soit il se reconnecte via GitHub, soit moi je vais offrir la possibilité aux gens de quand même set un password sur le site. Et peut-être de délier GitHub dans le futur. Donc moi je laisserai toujours la possibilité aux gens de mettre un mot de passe, parce que je suis un peu contre ces
c'est comme le password def, la connexion via le provider, parce que ça implique le fait que le provider fonctionne. Et s'il ne fonctionne pas, ben vous êtes cuit, vous ne pouvez pas vous connecter. Les providers comme Twitter, GitHub ou Google font une offre de FA pour valider. Bah peut-être, mais il n'y a pas que eux. Hein. Il n'y a pas que eux. L'email pour moi n'est pas une valeur sûre. Sur Postgres, sur un index unique, tu peux exclure certains cas, il me semble. Ok, bah, c'est pas grave. Franchement. Ok, alors on continue. Tac. Donc je vais faire un node ace migration rollback. Alors attendez, je vais juste vérifier un truc. Ouais, non, rollback, migration rollback sur le batch 0, donc à la racine. On est parti. Et on va lancer les migrations. Migration au run. Touk, touk, touk. Voilà, donc là j'ai mon user qui est fait dans la DB correctement. Maintenant je vais ajouter dans mon modèle tout simplement les deux champs ici. Donc user, et là on va ajouter une petite colonne qui aura le nom provider ID qui sera de type string et qui sera nullable. Même chose pour le mot de passe d'ailleurs, ça sera nullable. Et du coup ici il faut que je valide qu'il y a bien un user password aussi. Voilà. Et ici, on va faire une petite colonne en plus du coup, public OAuth provider name type string et qui sera nullable. Ok. Et maintenant, on est prêt. Sauf erreur, là, il n'y a plus d'erreur. Il ne crache plus à la gueule comme quoi ces colonnes ne sont pas définies. Et sauf erreur, si je reviens ici sur la page de connexion, je devrais pouvoir me connecter via GitHub. Donc, je clique sur connexion, connexion via GitHub. Et là, logiquement, j'ai une erreur. Super. Il me dit quoi ? Non, une colonne username of relation. Ah oui, oui, oui. Je force moi d'avoir un username, donc on va l'insérer ici. Username, ce sera socialauth.nickname. Paf, voilà. Et merci beaucoup, retraite pour le follow. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Moi je lirai après. Merci beaucoup. Je fais un petit F5 et là, ouais, ok. Il dit que je dois refaire la migration. Donc, connexion via GitHub. Et là, si tout se passe bien, ouais, je suis connecté en tant que Romain Lance. Tout se passe bien. Et dans ma DB, du coup, ici, dans User, on peut voir que j'ai bien un ID qui est assigné, mon username qui est défini, mon email ici, pas de password. Et par contre, j'ai les informations ici que je vous disais avant. Ok. Maintenant, si je me déconnecte, je me reconnecte via GitHub, et ben ça fonctionne tout aussi bien. Je suis de nouveau connecté via GitHub. Donc, l'authentification, ça ne m'a pas recréé un user, donc ça fonctionne. Ok ? Donc là, le code, il fonctionne. Il n'est pas extrêmement sexy, je dois vous l'avouer. Pourquoi mettre un UID plutôt qu'un ID numérique ? C'est une habitude que j'ai pris, voilà, de mettre des UID. Ce n'est pas un souci de ne pas avoir de password dans DB. Pas du tout. Rétro. Ok, rétro. Je n'étais pas sûr avec le 8. C'est pas un souci. Non, pourquoi ça serait un souci de ne pas avoir de mot de passe ? Là, le but, c'est d'autres. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à quoi sert un mot de passe ? Un mot de passe, ça permet d'identifier quelqu'un. Pourquoi ? Bah parce qu'il va vous donner une paire d'identifiants. Donc, c'est deux identifiants, des credentials, qui va vous permettre de dire c'est bien moi. Comme quand vous allez à la poste et que vous avez une lettre recommandée ou un colis et c'est écrit dessus qu'il veut Laurent Manant, bah, qu'est-ce que vous faites ? Il vous demande votre carte d'identité qui est votre identifiant, qui vous dit bien, votre ID card hein, d'ailleurs, hein, qui vous dit bien, je suis bien cette personne-là. Okay ? Bah, là, un système informatique, en fait, il faut trouver un moyen de lui prouver d'une manière ou d'une autre que vous êtes bien la personne que vous dites être. Alors comment faire ? Et bien avec un secret. Et le secret, c'est le mot de passe. Okay. Donc là, vous avez donné une information publique pour vous repérer dans la ribambelle des gens qu'il y a, qui est généralement l'email, ou ça peut être le username, par exemple. Okay. Mais généralement, c'est un email utilisé. Donc ça va être un identifiant unique qui permet de vous repérer parmi la ribambelle des utilisateurs. Et maintenant, il dit, ok, bah ouais, je vois que j'ai un Romain Lance, mais comment tu me prouves que t'es bien ce type-là, en fait ? Et là vient le secret, qui est le mot de passe que normalement que vous connaissez, qui permet de dire, bah, j'ai le mot de passe de mon compte, et là, il se dit, ok, alors je vérifie. Ok, Romain Lance, ça match. Le mot de passe, ça match. Ok, t'es bien cette personne, je te crois. Tiens, tu es connecté en tant que la personne. Donc, c'est un moyen de s'identifier. Maintenant, là, en l'occurrence, une authentification via GitHub, eh ben, moi, j'ai pas de password. Donc, il faut trouver une paire d'identifiants qui permet de faire la même chose. Un, repérer la personne parmi une ribambelle d'informations. Deux, valider que c'est bien la bonne personne. Et là, en l'occurrence, eh ben, GitHub, enfin les auth providers, nous fournissent deux informations très utiles. Un, l'ID de la personne. Et deux, ben, le qui c'est.
Ok, donc là, bah, avec GitHub, moi j'envoie Market, Trucmuche, ça revient ici, et je vois dans ma DB qui est ici, je vois donc que j'ai quelqu'un qui revient de GitHub et qui a l'ID 2027 machin Trucmuche, et je sais, ah bah oui, lui je l'ai chez moi, c'est Romain, je t'enregistre. Et pourquoi je te connecte directement? Parce que c'est le provider qui m'a dit, hé, c'est ce gars-là qui veut se connecter sur ton site. C'est lui qui a fait cette identification en fait. Moi, en tant qu'application, c'est pas moi de la faire, et c'est pour ça qu'on fait du two-off. C'est qu'en fait, en tant qu'applicatif, moi je dois pas vérifier l'identité de la personne. C'est lui qui me dit une entité tiers, je fais confiance à cette identité tiers, elle me dit c'est l'utilisateur 27000 sur notre plateforme qui a voulu se connecter chez toi. Et moi je dis ok, je l'ai, je te connecte. Ok, donc c'est là en fait où l'email, le mot de passe, cette paire d'identifiants, quand elle est en local, eh ben, c'est moi-même qui va faire cette validation que l'utilisateur soit bien le bon. Et en off, eh ben c'est le client, le service tiers, donc là en l'occurrence GitHub, qui va faire cette vérification et qui va me dire à moi, et c'est bien lui qui a voulu se connecter, et moi je fais confiance au service tiers. Ok, franchement, super clair tes explications, ça va me servir, merci, bah, avec grand plaisir. Une personne ne peut se connecter s'il utilise ton mail plus le champ MDP vide du formulaire. Eh ben c'est une très très bonne question parce que je n'ai pas encore fait de validation de ça, donc on va tout de suite tester. Connexion. Aucun utilisateur n'était trouvé avec ses identifiants. Donc non, ça ne fonctionne pas. Et je pense tout simplement parce qu'il essaie de hacher le mot de passe. Voilà, exact. Bah, même, non, parce que. Alors, ce que tu dis actuel est intéressant, mais il faudra que je fasse des tests, parce que peut-être c'est le cas. Mais effectivement, quand vous envoyez un formulaire ici, ça sera être en string vide. Mais on pourrait très bien forger une requête avec nul et ça pourrait passer peut-être. Je ferai un test après. La route callback est publique? Oui. Mais la route callback, il y a un code qui vient avec cette route callback. C'est pas simplement, il dit je suis tel utilisateur et du coup n'importe qui pourrait l'appeler et se connecter. Ça marche pas comme ça. En fait, ça va envoyer une requête à GitHub qui va dire, hey, écoute, moi j'ai mon application qui s'appelle Slywork. Okay. Donc ça, on l'a vu au début du stream, on le voit plus maintenant, c'est automatique, qui aimerait accéder à ton compte. Vous l'avez souvent vu ça, et qu'est-ce qu'il a accès? Bon, vous pouvez voir, il a accès à l'email, à ma liste de repository, à mes followers sur Twitter, les trucs que j'ai likés, mes posts, et ça en fait c'est les droits que vous donnez accès. En l'occurrence, moi je demande que pour l'email. Et là moi je dis oui, non, j'accepte ou je refuse. Et si je dis oui, en fait GitHub va retourner un code, ok, en code que après mon bac, moi va rappeler GitHub pour dire ok, tu m'as renvoyé ce code, c'est qui ce code? Okay, ce code est à usage unique et permet en fait de dire c'est qui ce code. Et là, il va me dire c'est Romain, il a cet identifiant-là, il a ce mail-là et il vient de GitHub. Voilà. Et du coup, moi, je dis ok, alors je vérifie. Okay, donc, ce n'est pas les données qui sont retournées par GitHub qui sont utilisées à ce moment T. À ce moment T, enfin, quand il y a la redirection, c'est un code qui va me permettre, moi, d'aller récupérer chez GitHub les infos que je veux. Donc, tu ne peux pas forger « je suis utilisateur machin qui vient de GitHub ». Non, c'est GitHub qui me retourne, c'est en back-à-back, c'est du B2B, c'est pas client machin. Donc là, tu n'as aucun moyen de forger la requête. Ok, je vois, je parlais surtout dans le cas où tu essayais une connexion normale avec le mail dans mon ancienne boîte. J'avais réussi à trouver une faille de sécurité où je pouvais update mon password en ne mettant rien. Ah, c'est un peu con, ouais. Trop rapide pour toi. Dans mon premier message, je parlais de ce use case, juste mal exprimé. Ok, ouais. Ah oui, c'est la magie du module Ally qui abstrait le checkpoint. Oui, exactement. En fait, c'est ce bout de code ici où il va aller. Donc là, dans le callback, on récupère du coup sur en code dans l'URL. C'est sous le query string code. Et c'est ce bout de code ici qui va aller taper chez GitHub pour aller récupérer l'utilisateur qui correspond à ce code. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce bout de code-là qui va me retourner l'utilisateur. Il n'est pas retourné ici dans la requête, c'est ce bout de code-là qui va faire une query en plus au provider qui est GitHub en l'occurrence. Ok ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des questions ? Parfait, ok. Donc là maintenant, alors pour beaucoup de gens, le code pourrait rester comme ça, partir en production, ça fonctionne très bien. Ok, il n'y a rien à signaler dans ce code. On a géré le cas où l'utilisateur existe, on le connecte. Le cas où l'utilisateur n'existe pas, mais l'email existe, on ne le connecte pas. Bon, on ne l'a pas testé, mais voilà. Et le cas, alors il faudrait juste aussi qu'on rajoute maintenant dans ici l'inscription, que lors du create, bon, là normalement actuellement, il nous casse une erreur à la gueule, à moins que dans le valider ton... À moins que dans le validateur on l'a mis, mais ça c'est autre chose. Non, on l'a mis qui devait être unique. Donc là, le formulaire nous dira, bah, écoute, l'email existe déjà,
C'est pas ouf. Ok. Donc le cas où l'email existe déjà. Et si, c'est, si tout ça n'est pas le cas, eh ben on log l'utilisateur. Okay. Et salut Nawakozor. Nawakozor, bienvenue à toi sur le stream. Donc on a géré les cas qui me semblent importants. Okay. Alors on n'a pas le cas que... comment il s'appelait, que Fred Kiss nous a cité, qui est un cas aussi peut-être à prendre au compte ou pas, suivant votre perspective. Mais si je veux avoir deux providers, GitHub et Twitter, si je m'authentifie une fois via GitHub, puis par la suite je m'authentifie via Twitter, eh ben, comment on relie les deux comptes en même temps? Alors à mon avis, si vous le faites, vous avez un problème de possible de sécurité, peut-être pas. Donc ça, c'est à vous de juger, bien évidemment, à vous de tester par rapport au provider que vous allez utiliser, si vous pouvez, vous avez un moyen de le sécuriser ou pas. Par exemple, Ally, il vous fournit une clé dans le callback et dans le social user ici qui vous permet de savoir si l'email a été vérifié ou pas. Okay. Donc cette clé serait à vérifier dans ce cas-là, parce que sinon n'importe qui pourrait créer un compte à un endroit avec votre email, ne pas valider l'email et ça marche, ça permettrait de vous authentifier par exemple. Donc il faut faire attention à ces cas-là, c'est moyen de le faire, dans mon cas j'en ai pas besoin. Ok. Sinon on a tous les cas gérés. Par contre moi il y a un truc qui me désole un peu dans ce cas, c'est que certaines personnes pourraient trouver ça très sexy, mais j'ai des try catch avec un catch vide. Et merci beaucoup Chac CS pour le follow, merci beaucoup. Il y a des try catch vides. Alors, chez certaines personnes, ils vont s'en foutre. Moi, je m'en fous un peu moins. Et l'autre souci que je vois, c'est que j'ai un mélange ici de code métier et en même temps de gestion HTTP. C'est-à-dire que ça, c'est du code métier. Ça, c'est du code métier. Ça, c'est de l'HTTP. Ça, c'est du code métier. Ça, c'est code métier HTTP. Ça, c'est de l'HTTP. Ça, c'est du code métier HTTP. Et je fais un peu un mix match des deux. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est en fait externaliser ces informations-là, ça et ça, dans un service externe. Ok. Comme ça, dans mon contrôleur, j'aurai un code un peu plus propre où je vais authentifier. Et suivant si ça réussit ou pas, eh ben, je fais des actions différentes. Par exemple, on peut voir que cette action-là, cette action-là, cette action-là et cette action-là, eh ben, c'est du code dupliqué. Ok. Ce code-là, en cas de failure, etc., par exemple, c'est du code qui pourrait très bien rester ici, vu que c'est spécifique à la session. Savoir qu'en contrôleur, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui répond à une requête, ok, HTTP, mais ce code-là, je pourrais par exemple l'utiliser, je sais pas moi, dans un job, un cron job, là en l'occurrence non, hein, mais via le CLI, etc., etc., ok. Donc là, je peux pas actuellement parce que ce code-là s'attend à avoir une réponse, s'attend à avoir peut-être une requête, des paramètres ici qui viennent depuis une requête, etc. Et ben malheureusement, j'ai scopé mon code à de l'HTTP ici, et donc je vais externaliser ça dans un service qui sera pas dépendant du service HTTP. Ok. Quelque chose de bizarre avec Trello, par exemple, j'ai pu me connecter avec Google, me déconnecter, puis me connecter avec Apple, et ça m'a tout de suite reconnu. Bah, peut-être qu'il y a des sites qui le gèrent. Hein. Moi, à nouveau, dans mon cas, j'ai pas besoin. Et je présente un cas où je n'ai pas besoin de gérer ça. il faut split le code. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va l'externaliser dans un service. Oui, j'ai dit à DenisJS ici pour le code. Le code est open source, hein, d'ailleurs. Hein. Vous pouvez faire la commande Slywork dans le chat. Et ça va vous mettre une petite description du projet et le lien du repo qu'on travaille. J'essaie de push à chaque fin de stream, en tout cas dessus, pour que vous puissiez avancer aussi et voir le code. Yes. Et salut à toi, Bad Comet. Ok. Donc on va refactoriser ça. Donc comment je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement créer ici un petit dossier que je vais appeler service. Voilà, services. Oula, services. Et dans mon services, je vais créer un social oath.ts. Ça me paraît pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît bien comme nom. Ça me paraît user service social oath. Non, social oath, ça me paraît bien. Bon, on va pas se casser la tête, hein, on peut toujours renommer par la suite. Ok, on va exporter une classe, ok, qui s'appelle du coup le même nom, hein, social auth pour le moment. Classe. C'est quoi le but du code? De quel code, Tori Funbujin? Tu gères le front avec des composants pour Slywork? Je gère le front avec des composants back pour le framework. Ouais. Alors quand je dis composants back, qu'est-ce que c'est? C'est que le but de cette application, c'est de montrer qu'on peut très bien faire une bonne application aussi avec 100% SSR. Donc j'ai des composants ici pour le moment.
Ok, donc dans un dossier ici, composant, que vous pouvez voir, oui, vous pouvez le voir ici, en dessous de ma cam, hein, ici. Composant, et dedans, j'ai des éléments, button, par exemple, là, j'ai formulaire. Ok. Et dans mon formulaire, par exemple, enfin, j'ai un groupe, ok, et le groupe ici me dit, on va faire un groupe, en gros, enfin, c'est des trucs de Edge, c'est peut-être compliqué à comprendre, mais l'input, en exemple, ici, et ben, je définis une variable classe, une variable la valeur d'avant, une variable erreur, et je définis mon input ici et les erreurs s'il y en a juste en dessous. Okay. Le label, pareil, je définis les informations, etc., etc., etc. Et après, dans mes vues, hein, par ma vue de notification ici, et ben, ça se passe comme ça. Donc là, j'ai mon formulaire standard. Là, je mets mon CSR field et après, je fais un form group. Voilà, c'est pour l'email. J'ai un label ici, form label, titre email et ici, form input type email. Okay. Donc en fait, comment ça fonctionne? Dans Edge, qui est le moteur de template utilisé par Adonis, vous pouvez avoir des composants et vous pouvez avoir des composants automatiquement définis. Donc il y a deux moyens. Soit vous avez après le tag complet component ici, qui vous permet après de taper dans une URL, enfin dans un chemin, donc component slash par exemple form slash input. Dans mon cas, et là vous faites un end end quand vous avez terminé, et puis là vous pouvez mettre les infos, ou si c'est en inline vous mettez ça comme ça, puis vous n'avez pas besoin de mettre en end, puis là vous y passez les infos, ou si c'est dans un dossier components, ils sont automatiquement enregistrés en tant que tag. Voilà, c'est la magie un peu du truc. Et là du coup, ben, je peux faire form, donc c'est le dossier form point group, donc je vais aller dans components form group, et donc ça donne un cloud assez clean comme ça. J'ai un bouton de type submit, connexion, etc. Donc je vais utiliser des composants back faits via Edge et on va utiliser Alpine.js par-dessus afin de dynamiser un peu, avoir des modales, avoir peut-être des drop-downs. Et en même temps, on utilise Unpoly aussi, on peut voir ici, qui permet de faire une transition de page comme si vous utilisiez une single page app avec React, Vue, Angular, Svelte et autres. Ok. La police que tu utilises ici coûte une blinde. Ouais, mais elle est excellente. Tu travailles sur quoi? Alors, je travaille ici sur ma plateforme de formation qui s'appelle Slywork. Plateforme de formation qui est censée vous apprendre à faire du JS et après vous apprendre à construire des applications back et front d'une manière, j'espère, pédagogique et ergonomique pour vous par rapport aux autres formations qui existent déjà. Il y a des petites ressemblances entre Adonis et Laravel sur la trajectoire. Oui, entre. En fait, Laravel et Rails sont les deux inspirations qu'ont utilisé Adonis pour être créé. Juste pour dire, ce projet incroyable, moi qui voulais apprendre le JS, hâte. Bah, moi aussi, j'ai hâte que ça sorte. c'est intéressant, j'en ai marre des librairies framework front, c'est lourd et chiant à gérer. Mais en fait, le gros problème que je vois, et c'est pas la faute des gens qui le font. En gros, je vois énormément de gens qui débutent ou qui sont juniors et qui se font entre guillemets matrixés par les influenceurs qui ne parlent que du front. Et souvent, le problème, c'est que le JS, on n'en parle que en front. Et du coup, les gens pensent à React, à Vue, à Angular, à Svelte, à Schmilblick, à Polymer, à Schmilblick 2, à Ember, à Schmilblick 3, à Stencil, à etc. etc. Ok, à toutes ces librairies front. Après, ils parlent de Jest. Jest qui est fait pour tester du front, ils utilisent pour tester du back. Après, ils utilisent Vitesse qui est fait pour tester du front. Et puis, ils connaissent que Express en back, etc., etc. Et en fait, tous ces gens-là, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont matrixés par ces influenceurs et ils pensent que. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un peu tout un chemin avec, vous savez, Next, avec Nuxt, etc. J'ai l'impression qu'ils ont. Ces gens-là pensent qu'en fait, on peut faire que des applications comme ça. Voilà. Les mecs, ils ont un blog, hop, on va utiliser React. Les mecs, ils ont un portfolio, bam, on va utiliser Next.js. Allez, moi, je vais utiliser Nuxt. Allez, moi, je vais utiliser SvelteKit. Et que des librairies overkill qui va compliquer votre code, qui va le rendre le truc moins cool parce que vous allez devoir gérer le. Le rendu côté serveur, donc vous allez devoir vous taper soit du Next, soit du Nux, soit du SvelteKit, etc. Après, ouais, mais je peux déployer sur des Cloudflare Worker, du coup, c'est dans le Edge, c'est proche des utilisateurs, je vais gagner une milliseconde à l'affichage de mon portfolio, ça va me donner 3 jobs en plus, j'en suis sûr. Ouais, moi, je vais être le prochain Facebook. Enfin bref, les gens, ils sont matrixés dans cette idée qu'il faut forcément utiliser énormément de JS en front, j'ai l'impression, voire qu'utiliser qu'une tech faite pour ça, pour créer n'importe quel site. Et merci, Monsieur 4, pour le follow, pour l'abonnement, pour ton Prime, merci beaucoup.
Et en fait, le but aussi de cette application et pourquoi elle est mise en open source, c'est de montrer que les applications back existent bel et bien, existent depuis longtemps et elles vont toujours être excellentes et extrêmement bien pour la simple et bonne raison que vous maîtrisez où cette application tourne. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à gérer que ça tourne sur un téléphone, que ça tourne sur un vieux Safari, que ça tourne sur votre télé qui utilise une version de WebKit d'il y a 10 ans. On s'en fout parce que ça va simplement afficher de l'HTML, du CSS et il y aura ce que les gens aiment bien appeler du Progressive Enhancement pour que ce soit un peu plus sympa pour l'utilisateur, mais ça c'est des ajouts en plus, c'est-à-dire que si on désactive le JS, ça fonctionne encore. Et merci beaucoup Mushagito pour le follow. Voilà, ça marche Axwell, merci, bonne soirée, ça a l'air intéressant, yes yes. Et voilà, et du coup ben, le but, c'est pour ça qu'elle est aussi en open source, ça va être de vous montrer que ça marche comme ça, et ben, dans les tutos, on va apprendre bien évidemment à faire des API aussi, mais pas que, on va apprendre à créer des vraies applications 100% back, sans se casser la tête avec du front, quoi. Parce que le front, ça va un moment, c'est sympa, mais dans les 99% des cas, ou 99% pour les Français dans le chat, eh ben, on s'en bat les reins, et ce n'est pas nécessaire, c'est souvent overkill et très mal utilisé, voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est juste que trouver du boulot, c'est assez compliqué de trouver ça. Ah, clairement. Salut, penses-tu que faire un SaaS, c'est une bonne façon de s'améliorer en tant que junior ? Bah, pourquoi pas ? Faire toute application, c'est une bonne manière de s'avancer. Ce que tu peux faire, c'est prendre une application que tu utilises et essayer de la refaire aussi. C'est un bon moyen de s'améliorer. Eh ben, je sais pas jusqu'à quelle heure je stream. Peut-être 22h, peut-être un peu moins. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas du tout fini ce que je voulais faire, donc on va continuer un petit peu. Ok, donc j'ai ma classe Social Off. Alors là, j'ai plusieurs moyens. Je vais la mettre à droite. Je vais fermer ça, projet, ici. Voilà, comme ça, on peut avoir les deux codes en même temps. Je vais faire gaffe de ne pas cacher le code avec ma caméra. Et là, on a deux moyens. Un, j'injecte ici le user que je récupère ici. Et après, il fait le schmilblick. Ou deux, j'utilise le contexte asynchrone de Adonis. Et ça, on va pouvoir en venir. Et je n'ai pas besoin du tout de l'injecter. Alors moi, je suis plus partant pour l'injecter. Mais je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le contexte asynchrone parce que peu de gens connaissent ça dans l'univers de Node tout simplement aussi et dans Adonis. Alors il faut savoir un truc, je pense qu'il y en a beaucoup qui font du PHP dans le chat parce que PHP est un langage bien, hein, on va pas cacher, c'est un bon langage et c'est un langage très utilisé par les débutants tout simplement et par des gens qui font du dev, bah, c'est un langage très utilisé tout court, ok. Et PHP, malgré ce que les gens peuvent penser, a un modèle de fonctionnement différent des autres langages. C'est pas genre Node qui est différent, c'est PHP qui est différent des autres. Et la différence première est son méthode de fonctionnement. C'est-à-dire, en Ruby, en Python, en C#, enfin en ASP, en .NET quoi, via du Node, etc., etc., en Java, enfin tous les langages que vous pouvez imaginer, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une application, et après vous allez lancer cette application, et cette application va écouter sur un port, genre le port dit, allez, 1337, et après vous aurez un Rivex proxy qui va proxy les requêtes qui arrivent sur votre application, qui tourne en mémoire, qui écoute, et qui agit en fonction. Okay, donc votre application, elle est lancée, elle tourne, elle agit, et elle renvoie des réponses au fur et à mesure. Okay. En PHP, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En PHP, vous avez ce qu'on appelle vous avez tout simplement des requêtes qui arrivent et ça va relancer votre code à chaque fois. Donc la requête arrive, ça va arriver sur un index.php, voilà, c'est souvent ce qui est dans le dossier public, par exemple dans la Laravel, public, index.php, qui va lancer le framework, charger les librairies, faire le code, renvoyer la requête et mourir. Hop, il y a une autre requête qui arrive, on relance le code, on charge le framework, on charge les librairies, on charge le truc mûche, on fait le schmilblick et on renvoie l'information et on tue, etc., etc., etc. Alors ça a des avantages, notamment l'avantage qu'on n'a pas besoin de se casser la tête à gérer les fuites mémoire, parce qu'il n'y en a pas, il y en a peut-être, mais c'est tellement court le temps d'exécution de votre code que ben, ça va se lancer, il y aura une fuite mémoire, on s'en fout, on tue, pff, voilà, la fuite mémoire est partie. Okay. Le deuxième avantage, c'est que ça permet de gérer des objets globaux. C'est-à-dire que si vous avez un singleton ou un truc global, et ben, vous savez qu'il sera global pour cette requête. Okay, la mémoire, elle est pour la requête en question. Okay. Et du coup, bah, ça vous permet, par exemple, dans la Laravel, d'avoir des fonctions globales pour s'authentifier, pour gérer la session, pour gérer la requête, la réponse, etc., etc. En Node, en l'occurrence d'Adonis, bah, c'est pas possible. Parce que, à nouveau, si là vous avez un singleton, eh ben, le singleton il est partagé pour toutes les requêtes qui arrivent. Si vous avez un objet global, il reste en mémoire,
entre les différentes requêtes. Et du coup, pour toutes les requêtes, cet objet-là va fonctionner et être présent. Okay, on peut se faire un petit exemple ici dans le dossier route. Ici, je vais faire une route get que je vais appeler test. Okay, et cette route, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va tout simplement... Attendez, je vais faire une variable là que je vais appeler foo. Okay. Je vais faire que foo est égal à bar. Et la requête test ici va me retourner foo. Okay. Et là, je vais avoir une deuxième route, get aussi, okay, que je vais appeler test2. Et cette route ici, je vais y arriver, ce qu'elle va me faire, c'est qu'elle va faire que foo est égal à acme. Et après, elle va me retourner foo. Okay. Donc là, j'ai mes deux routes de fait. Si maintenant je vais ici et je vais sur slash test, on voit que j'ai bien bar. Si je vais sur slash test 2, j'ai acme. Et si je retourne sur slash test, j'ai acme maintenant. Ok? Pourquoi? Parce que là, c'est un objet qui est en mémoire, la variable foo, que j'ai modifié dans une de mes requêtes. Et du coup, l'autre requête qui arrive ailleurs, eh ben, elle va prendre la valeur qui a été mise en dernier, doit acme. Ok? Si je relance mon code, eh ben, il aura la valeur de base bar. Mais dès que quelqu'un va taper test 2, tout le monde aura acme. Okay. Et ça, c'est un problème à prendre en considération du coup quand vous faites ce type de code, parce qu'il faut faire attention à ça. Tout truc mis en mémoire, eh ben, ça sera partagé par toutes les requêtes. Alors c'est cool, hein, ça permet de faire du cache très facilement. En cache, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ça va être débile, hein, mais vous allez par exemple avoir un const cache est égal à new map, et voilà, vous avez votre cache. Vous n'avez pas besoin d'en Reddit, vous n'avez besoin de rien. Et ça, c'est votre cache. Donc quelque part, vous pouvez faire en cache.set user.amp.post. Et là, vous mettez la liste des posts qu'il a. Voilà. Et à un autre endroit, vous ferez en cache.get user1.post. Et là, vous récupérez les posts que l'utilisateur a. Pourquoi? Parce que cet objet va rester en mémoire et va rester présent jusqu'à ce que vous décidiez vous-même de le vider ou que l'application redémarre. Ok? Donc, c'est cool pour faire du cache. Ça, c'est vraiment cool. Mais par contre, il faut faire attention au système de fonctionnement. Et du coup, bah, comment on fait? Et ben, dans les contrôleurs ou les route handlers, on a ce qu'on appelle un contexte qui suit la requête, le chemin de la requête, okay, et lui qui est du coup scopé à la requête. Okay, donc ce contexte-là, c'est là où on a la notification, la requête, la réponse, les sessions, etc. etc. Et ben, le problème, c'est que si, imaginons qu'ici, je dois utiliser Ally là-dedans, okay, donc qui est le système d'authentification, et ben, comment je pourrais faire? Attendez, je vais fermer un peu tout ce schmilblick. Comment je pourrais faire? Eh ben, soit je lui envoie directement le ally ici, ça fonctionne très bien. Ok, je lui envoie le ally et il peut l'utiliser. Mais maintenant, imaginons que lui il utilise un autre truc qui a besoin aussi de ally. Ben, du coup, lui il va réinjecter ally, etc., etc. Et du coup, on se retrouve avec un schmilblick, vous voyez, de continue d'injection qui est pas ouf. La deuxième solution, c'est l'async contexte. En fait, depuis nos 12, donc ça date, on est à nos 17 hein, maintenant, depuis nos 12, on a ce qu'on appelle les async hooks dans Node, et ça permet d'avoir une mémoire qui est liée à une requête, peu importe où vous soyez dans votre modèle, dans votre application. C'est-à-dire que depuis ici, je peux récupérer à tout ce qu'il y a dans le contexte sans injecter la requête. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'ici, je pourrais utiliser l'async contexte de Adonis et récupérer le ally dans mon code source ici, et ça sera scopé à la requête même si je ne l'ai pas demandé. Donc ça enlève cette problématique qu'a Node d'avoir ce contexte à se taper de session, enfin de dans tout le schmilblick, le flow de l'application. Okay, et ça, c'est l'async contexte. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a toute une doc dessus ici, async local storage, voilà, qui vous explique tout le schmilblick et qui vous explique voilà, les problèmes que ça engendre, comment c'est utilisé, comment ça fonctionne, etc. etc. Et comment l'utiliser tout simplement dans Adonis. Hein. Et pour l'utiliser concrètement, vous allez dans votre configuration ici, config, app, et ce faire, vous changez juste, et merci Lior pour le follow, ça fait grand plaisir, pour le sub, merci beaucoup. Et ce faire, c'est quelque part là-dedans. Validateur, asset, driver, blablabla, stylo, il faut rajouter une clé, je crois. Il faut rajouter une clé, c'est écrit dans la doc. Vous rajoutez une clé là-dedans et vous avez accès à l'asynchrone contexte qui vous permet d'accéder donc au contexte HTTP, peu importe où vous êtes dans votre code sans devoir l'importer tout le schmilblick. Voilà. 6 mois déjà, allez, waouh, ça fait longtemps. Ok? Bon, si c'est clair pour tout le monde, on va continuer. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est quand même je vais faire une injection parce que ça me semble le plus intéressant. Donc, je vais injecter social user qui est ici de type any, ce qui est pas ouf.
Alors je pense, si vous voulez mon avis, c'est que ici, si je spécifie GitHub, voilà, là, ça aura quel type. Ok, ally driver contact point user. Ok, ally user contract GitHub token. Ok, donc là, je vais récupérer un user. Ok, donc je vais l'appeler social user. Et qui aura du coup le type, c'est le type ally user contract. Donc ally user contract, et là, ça va être de GitHub token. C'est ça. Je crois que c'est ça. Et là, je vais mettre un petit protected. Voilà. Et la vie est belle. Donc là, maintenant, j'ai mon truc qui est typé correctement. Ici, je vais mettre un petit import type. Ça m'intéresse pas. Tu devrais zoomer un peu, bro. C'est hard pour les vieux comme moi. C'est vrai ? Non, on m'a dit que c'était très bien niveau taille. Je ne te crois pas. Oui, je vais zoomer un petit peu. Pas de soucis. Éditeur, fonte, on va mettre en 22. C'est pas là. C'est ici. On va mettre en 19. Voilà. Voilà, ça devrait être un peu mieux. Un peu plus gros. Ok, donc là j'ai mon petit constructeur, je définis mon social user et maintenant je vais définir mes différentes méthodes. Et là on va utiliser un pattern qui s'appelle le pattern Venable. Alors est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu peut-être parler de ça ou pas? Dites-moi simplement si vous avez déjà entendu parler du pattern Venable sur du JS. C'est pas spécifique à Node, c'est spécifique au JavaScript. Non. C'est quoi que vous appelez les contracts dans Adonis? C'est des interfaces. Des interfaces, en fait, il faut imaginer une interface comme un contrat, et du coup, on nous a directement appelé contract. Venable, voilà, exactement. Venable, écrit comme l'heure, elle a écrit comme ça. Venable, c'est un pattern. Ah, bah d'ailleurs, il y a même une méthode qui vient de je ne sais pas où, test utils. Venable. Venable. Yes. C'est un pattern assez utilisé dans Adonis. Et tu sais, dans d'autres librairies aussi, hein, qui est assez sympathique. En fait, imaginons, ok, je vais faire le code ici. Imaginons que j'ai envie de faire ça. New, social auth, je lui passe mon social user, et j'ai envie de lui dire, eh ben écoute, on success, tu vas faire ce schmilblick. Ok. Et on error, par exemple, hein, tu vas me faire ce schmilblick. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là? Comment je peux exécuter ça? Je peux pas. Soit je fais un point exec à la fin, par exemple. Et là, par exemple, ça pourrait exécuter le bout de code que j'ai défini avant. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une promesse. C'est pas du tout une promesse. Comment je fais pour exécuter ce bout de code? J'ai envie de lui dire, bah écoute, exécute-moi ce bout de code. Enfin, il est exécuté, on se comprend, mais comment je veux dire, exécute-moi le handle de social auth, ok? Donc là, on pourrait imaginer que je le stocke. Je sais pas, provider, hein, j'en sais rien. Hein. Alors là, il y a différents moyens. On peut faire un provider.handle ou .exec, par exemple, ok? Et après, ça va faire le schmilblick et ça va revenir en arrière et effectuer ces deux actions suivant ce qui est dit ici. Je trouve pas ça ouf. On pourrait faire des subject observable, en fait. Non. Tu mets une méthode invoke dedans et tu rajoutes des parenthèses. Non, c'est pas du PHP. Eh ben, on peut faire la méthode venable. Donc, il faut savoir un truc, c'est qu'en JS, vous pouvez await n'importe quoi. Ok ? Vous pouvez await strictement n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe si je await ça ? Eh ben, ça va faire le new, ça va définir ça, ça va définir ça. Et qu'est-ce que fait le await ? Eh ben, le await va appeler tout simplement la méthode then. Donc, si dans ma classe ici, je fais une méthode then, elle sera appelée lors d'un await. Ok. Donc j'ai qu'à faire await de mon schmilblick et ça va fonctionner comme je l'espérais. Et donc là, là-dedans, je peux faire mon handler. Ok. Et du coup, c'est un peu en hack, mais ça fonctionne très bien. Et ça, c'est le pattern venable. Et c'est par exemple ce que vous faites dans les query builder, ces choses-là. Ok, donc là on va alors ça pourrait être la méthode finale. Dans ce cas-là, c'est la méthode finale. Là, je vais rien dire. Mais si on l'enlève, ça fonctionnera aussi. Et du coup, le await, bon, en fait, ça vous définissez un objet, ok, le query builder, vous y mettez un where, vous y mettez un deuxième where, et le await, ce qu'il va faire, il va exécuter l'objet que vous avez créé avec les modifiers. Donc ça va modifier le query builder, ça remodifie le query builder en y ajoutant where, et le await va exécuter ces choses-là, ok. Ça vous évite de vous taper un point exec à la fin, qui existe.
Le point exec existe parce que le point VN, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il appelle le point exec. Ok ? Je vous affiche le code source ici que j'ai stocké. Ça, c'est le query builder de Lucid. Ok ? Bon, vous pouvez pas voir dans l'URL, mais c'est le query builder. Et on a exactement le point VN. Et le point VN, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il fait un vis.exec. Ok ? Donc, c'est pour ça que vous avez accès au exec. Parce que du coup, vous pouvez appeler exec vous-même. Mais il n'y a pas besoin. Parce que le point VN le fait pour vous. Magnifique, non ? Cet homme est un coquin. Lior, il est toute journée sur Twitch, pire que moi. Mais non, ça fait longtemps que je t'ai plus revu en stream. Là, il faut qu'on parle. Là, ça va pas. Ok. Et du coup, je vais copier ces choses-là. Alors, je vais copier tout ça parce qu'en premier, c'est ce qui est nécessaire. Je vais pas me retaper le code. Bam. Ok. Et là, du coup, hop, je vais fermer tous ces schmilblick parce que je m'en bats les reins. Et ici, il me suffit de faire la méthode exec, qui est la méthode tout simplement citée avant. Donc ceux qui veulent utiliser .exec, ils peuvent. Ceux qui veulent utiliser le wait, ils peuvent. Ça marchera très très bien. Je bosse plus, j'ai le Covid. Ah merde. J'espère que ça va. J'espère que ça va. Bref. Donc là, dans le exec, on va faire notre schmilblick. Ok. Et c'est là où on va faire notre try-catch, etc. Et après, on va appeler onSuccess ou onError. Donc là, mon but, moi, c'est de définir deux choses ici. Privé, c'est... je vais appeler user... je peux l'appeler find or create handler. Ok. Bon, je vais mettre type any pour le moment, on type à la fin. Je vais faire un private email exist handler any. Ok. Et du coup, je vais faire mes deux petites méthodes qui vont s'appeler on find or create. Ok. Cette méthode-là, du coup, va recevoir un callback qui va être de type any à nouveau. Et je vais faire un vis.find or create handler est égal à callback. Pareil, je vais faire un on email exist callback any. Et là, du coup, paf, on va le stocker dans mon petit handler qui s'appelle email exist handler est égal à callback. Ok. Pourquoi il me met en rouge ? Il me dit quoi ? Ah oui, il faut que je mette public dedans. Bien évidemment. Public, public. Cool. Donc maintenant, si on revient dans notre public, je vais déjà... Oula, je me suis trompé de raccourci. Je vais déjà importer ma classe. Paf, elle est importée ici. Je lui ai envoyé mon social user. Ça, ça n'existe pas. Par contre, ce que je vais pouvoir faire là, c'est en on finder create, qu'est-ce qu'on va faire ? Ok. Là, je vais récupérer le user, en l'occurrence, qui a été créé. Je ne le sais pas encore. Et je vais faire ces deux actions-là. Parce qu'on peut remarquer que peu importe qu'il soit find ici ou qu'il soit create ici, eh ben on fait la même chose. On le log et on redirige sur la home page. Ok ? Donc je le mets là. Ça, ça va être un truc asynchrone. Par contre, ici, deuxième petit handler, on. Ah oui, puis il faut que je retourne vis, bien évidemment, ici, sinon je ne peux pas les chaîner. Donc return vis et return this. Ok ? Ici, on continue. Point. On email existe. Qu'est-ce qu'on fait si l'email existe ? Eh ben, si l'email existe, on va faire ce schmilblick là. Paf. Et on le met ici. Ok ? Donc là, on a notre petite social user. Ok ? Et on lui fait on finder create, il fait ça. On email existe, il fait ça. Et du coup, on a externalisé. On l'a pas encore fait. On va externaliser maintenant le code métier de notre service. Donc ça veut dire les fetch de l'utilisateur, la vérification qu'il existe, etc. etc. de notre contexte HTTP. Là, les trucs qui sont liés à la requête, donc l'authentification, la réponse et la session, restent dans le code du contrôleur et du coup, ça fonctionne très bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, je peux l'enlever du coup, parce qu'on s'en fout. Ça aussi, on s'en fout. Et merci Rikwala pour le follow. Grave erreur, lol. Il y a Jean Vampire 4, ça joue, lol. On n'oublie pas le schmilblick. Du coup, tu as changé de place pour faire ton venable. Exactement. Du coup, c'est là où vous comprenez ce que je vous disais avant, qu'on va externaliser en fait le code métier pour avoir un truc un peu plus sexy et dans notre contrôleur, on a un code un peu plus simple à lire. Ça se lit assez bien, je trouve. Et du coup, on est parti dans notre exec. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben, je vais faire une petite méthode ici que je vais rendre private. Donc après, je ne sais pas trop où la placer. Je vais quand même la placer là, même s'il y a des publics après qui m'intéressent moins. Une private qui va s'appeler check ou verify. Verify comment je peux l'appeler find user, voilà, un find user.
Et le Feinduzer, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire le Schmilblick qu'on a ici. Le Schmilblick, très important. Toujours très important. Là, on va essayer 10 points. Ah oui, et bien évidemment, là, il me faut le provider. Et le provider, ça va être le paramètre que prend ça. Qui sera le provider de key of ça. Ouf. Et on l'importe de là, non? Porte type. Ah non, c'est juste social provider. J'ai pas besoin du extend ici. Voilà. Paf. Ok. Et du coup, ça c'est à nouveau un type. Voilà. C'est un type. Et du coup, ça on peut le mettre là. Paf. Tac, tac, tac. On met une virgule. On fait ça. On revient à la ligne. Ok. Donc là, j'ai mon provider également qui va être protected. Je pourrais mettre private. Private. Voilà. Private. On va les mettre private. Ça sert à rien de les mettre protected. Voilà. Ok, donc là je vais taper vis social user ID et ici j'ai un vis.provider. Ok, provider du coup qui est égal à GitHub et on s'en fout. Ok, ça va être une méthode asynchrone, async, ça va être une méthode asynchrone aussi, async. Donc là j'ai mon find user, il va essayer de trouver le user ici avec un first et il va me retourner cette information. Donc là j'ai même pas besoin de le await, je vais retourner ça et du coup ça j'ai pas besoin qu'il soit comme ça. Oula, voilà. Donc ici maintenant je peux faire un let user est égal à user est égal à await vis.findUser. Voilà. Et là je vais essayer de trouver l'utilisateur. Si j'ai pas d'utilisateur, je vais vérifier que l'email existe ou pas. Donc là je vais refaire une petite private. Verify email uniqueness, ça se dit uniqueness. Uniqueness. Ça me paraît de l'anglais tout à fait potable. Et dans ce code-là, et avant, on va faire tout simplement cette chose-là. Paf. Ok. Je crois pas ça existe. Je crois pas ça existe. À quoi tu faisais référence? C'est pas grave, c'est beau. Ah ok, vous parlez du uniqueness. Je trouve ça sexy, hein. Ça existe, uniqueness. Hello, je viens d'arriver. Quel est ton projet? Je t'invite à faire point d'exclamation slidework dans le chat. Ok, donc là, on va aller taper dans vis.socialuser.email qui sera, j'espère, défini. Donc, if... Bon, donc, qui sera défini. Ferme ta gueule. Voilà. Et ici... Qu'est-ce qu'il y aura dessus? Promise return. Oui, oui, d'accord. Et ici, je réfléchis juste, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais la rendre asynchrone. Et je vais faire un return await. Ça est différent de first est différent de nul. Voilà. Donc ça me retournera true, false. Ok. Donc, s'il n'y a pas d'user, je vais faire un 10. Verify email uniqueness et là je pourrais faire même un find or oui il faudra voir donc je vérifie si c'est unique ou pas. Attends, je suis en train de m'embrouiller là. Donc si je schmilblick ici on va faire un 10 point email exist handler, on l'appelle et on return. Ah, tu fais comme le site de Jonathan, mais accès à JS comme ça, ça dépend pas des plateformes type Udemy. Quand tu dis Jonathan, tu parles de Graphic Arts? Si oui, un peu. Je suis en site de formation, quoi. Je vais certainement me tromper dans ma logique, hein, mais c'est pas grave, on va tester après et revoir. Ok. Et s'il n'y a pas, on va faire un private create user. Paf. Et on va copier ce bout de code. Paf, et ça va nous retourner du coup cette information. Return cette chose là. Return, voilà. Et là, ça va être 10 points machin, 10 points machin, 10 points
machin, et bon, il faudra qu'on gère les cas où, de nul, hein. Vis point machin. Voilà. On n'oublie pas les machins. Ok, et là, on peut faire un... Et là, on peut faire un if. Toujours pas du user. Ok. On va faire un vis. Un user est égal à 10.createUser. Voilà. Et si jamais il n'y a pas, on fait un vis on find or create avec le user. Voilà. Donc là, on a notre Schmilblick. Et ça, on peut le... Comme ça. Alors après, ce code-là pourrait être un peu plus sexy, peut-être. Mais là, normalement, ça devrait très très bien fonctionner. Alors qu'est-ce qu'il me dit là ? Create may never read. Ah oui, c'est comme ça. Et là, qu'est-ce qu'il me râle dessus ? Type await operand must either be a valid promise or not contain a callable then. Ah. Type await must not be a valid promise or must not contain a callable then. T'es en train de me dire que le venable là c'est de la merde. On l'utilise un peu partout dans d'autres codes, hein. Y a le même default à cam prend tout l'écran. Ah ouais, excusez. Yes. On s'en fout un peu de voir ton visage et le micro. Oh, c'est pas très gentil. C'est plus humain. Zut, fail, IDE, cyber. Ok, yes. Alors attendez. Ouais, on va déjà juste lancer le code. Hein. Donc ça, j'enlève. Ici, ça va bien porter le user. Et on va retester le code si ça fonctionne. Déjà, on aura la faute des erreurs. Donc là, je fais connexion via GitHub. Et logiquement, je devrais être connecté. Ok, et là, il me dit expect value to be defined but undefined past. Ok, et on peut voir que l'erreur est ici. This provider n'est pas défini. Effectivement, j'ai oublié de le passer ici. Ici, je vais envoyer params.provider. Et ici aussi, d'ailleurs. Oups. Copier. Ici, on delete. Hop, ça c'est... Paf. Ok. Alors, je reviens en arrière. Connexion via GitHub. Et là, je suis bien connecté en tant que Roman Lance. Donc, ça a fonctionné. Ça ne m'a pas recréé un utilisateur. Maintenant, je vais supprimer. Je vais me log out des connexions. Je vais supprimer cet enregistrement. Allô ? Clic droit, delete. Voilà, on va supprimer cet enregistrement. Je vais me connecter. Connexion via GitHub. Et je suis bien de nouveau connecté en tant que Roman Lance. Et on peut voir que j'ai bien ici mon enregistrement qui a été rajouté avec les informations que je demande. Donc maintenant, le code de mon contrôleur, si on oublie un peu l'erreur TypeScript que j'ai ici, qu'il faudrait que je regarde, et ben on a un code, je trouve, très clair, tout simplement. On utilise le social auth via ce social user et ce provider, et je dis, et ben s'il me le trouve ou il me le crée, je le login. Si l'email existe déjà, je gère cette erreur. Et le code du contrôleur est devenu dealing. On a vraiment dealing là, 11. On a 11 lignes de code et ces 11 lignes sont très simples à lire pour tout être humain, si vous voulez mon avis. Le exec return rien. Effectivement, le exec return rien. Alors, est-ce que c'est ça le problème ? Si je vais voir le exec ici, dans ce code, le exec, il doit retourner un truc yes. Il retourne une promesse en fait de base déjà. Donc non, le exec il est censé rien retourner. Enfin lui il retourne du coup une promise void. Et eux ils retournent bien disexec.then. Bon, ça devrait être bon. Non, ça devrait être bon, logiquement. Euh,
Bah, c'est pas grave. Ça, le code fonctionne, il faudra que je regarde pour l'erreur plus tard. Il y a beaucoup de décors. Il n'y a pas de décor en fait. C'est mes murs. Mais oui, la cam est peut-être un peu grande, mais voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Yes. Bah, du coup, voilà. Le code a été refactorisé et on a l'authentification à deux facteurs. On a l'authentification sociale qui est fonctionnelle sur le site et ça fonctionne bien. Et c'est sexy. C'est dommage, ça m'empêche de follow. Ah bah c'est pas grave, hein, ne follow pas, tu n'es pas, ne te sens pas obligé de follow. Hein. Écoute, je ne vais pas enlever ma cam pour toi. Hein. Ça c'est clair et net. Donc fais ce que tu veux. Yes. Ok, donc là on est bon, on a fait le code qu'on voulait faire, ça fonctionne, je vais juste inverser ce petit import, là je vais vérifier que mes imports soient bien ordonnés, et on est bon, paf, comme cela. Et ici on est bon aussi, parfait. Il y a 70% de décor dans la cam, faut qu'on voit juste toi. Eh ben non, c'est, je suis désolé de te lire, mais c'est une règle sortie de ton cul. Ah, je veux pas le time out, hein. Y a pas d'attente de time out, mais bon, si t'as des règles et que tu sors de ton cul avec tes 70%, il faudrait voir comment visage. Non, ce n'est pas vrai. Donc, si tu n'es pas content d'être sur ce stream, je t'invite d'aller sur un autre stream. On ne follow pas pour ce qu'on voit ou la personne qu'on voit, on follow peut-être pour les informations qu'on a reçues ou autres. Et si ça ne t'intéresse pas, eh ben tu pars ailleurs. Je ne vais pas changer mon stream juste pour un viewer pas content alors que j'en ai des centaines qui sont très contents de se tirer de ce stream. Voilà, c'est dit. Et merci MKHL87 pour le follow, ça fait plaisir. Alors, on continue. Je regarderai ça en hors live parce que ça m'intrigue, mais j'ai pas envie de passer 40 ans et à débugger ça maintenant. Est-ce que c'est très intéressant? Je vais juste regarder, est-ce que je dois pas faire un truc de spécial? Je crois pas. Hein. Je crois pas que je dois faire un truc de spécial quand je regarde ce code là. Je regarderai en hors live sur le pattern d'enable un peu plus en détail. L'avantage c'est que ça fonctionne. Le code fonctionne en tout cas. C'est juste TypeScript là qui est pas content. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il faudra que je regarde le pourquoi du comment. Pourquoi du schmilbic. Et là il faut que je fasse aussi un truc. C'est que ça doit être await. Ça aussi. Voilà. Ça, il me dit quoi? Je sais pas pourquoi il est en souligné. Ok, cool. Donc là, on est bon. Donc moi, je vous propose qu'on fasse un petit commit parce qu'on a quand même fait pas mal de modifications comme on peut voir ici. Et on va faire un gros commit. Comme ça, vous pouvez le retrouver. Attendez, je vais fermer mes deux trucs. Comme ça, je peux regarder ce qui a été modifié. Donc ça, le .env.example, on commit. Le AdonisJSRC, on commit. Donc là, ça nous a ajouté le provider sur la droite. Ici, là, la configuration, les contrats, on commit, ça c'est bon. Le app provider, il n'y a rien qui a changé, donc je ne vais pas commit pour le moment. Le off controller, j'ai un await qui n'a aucun rapport avec ce qu'on a fait, donc je ne vais pas le commit. Le point, c'est la validation, j'ajoute. Là, j'ai mon petit lien, j'ajoute. Ça, c'est les deux paquets, j'ajoute. Ça, j'ajoute. Ça, j'ajoute. Ça, j'ajoute. Et là, il me dit quoi, lui? Il me dit qu'il a une erreur. Ah oui, c'est à cause de ça, on s'en fout. Le test config, on ajoute. Le user, on ajoute. Et là, qu'est-ce que j'ai de plus? Rien d'intéressant. Et on est parti. Donc fit off et là je vais marquer handle social off via GitHub. Et on commit and push. Et push comme ça vous avez le code à disposition. Ah j'ai eu des modifications. Ok, pourquoi pas. J'ai eu des modifications. Et du coup j'ai repushé. J'ai reçu deux commits. Je vais juste voir à quoi ça correspond. Fix confirm the rules. Ah oui, d'accord, c'est une paire que j'ai merge. Dernièrement. Cool. Et voilà. Donc là, vous avez le code à disposition sur le GitHub hein, qui est à jour. Si ça vous intéresse d'aller voir le code source. Son décor est trop beau. Il n'y a pas de décor. C'est mes murs. C'est comme un enfant, on lui donne une page blanche, il fait un visage au milieu et après on dit c'est bon, j'ai fini. Je veux une autre feuille pour faire un autre dessin. D'accord, si tu le dis. Ça ne gêne pas. Il n'y a pas de mon point env. En fait, ce que j'ai push, ce n'est pas mon point env, c'est le env.ts. C'est ça. Ok. Alors, il y a eu le env.example, c'est ça. Et ça, en fait, c'est des variables d'exemple.
Ok, donc il n'y a rien ici d'important. La clé ici, c'est une clé de développement. Et tout le reste, c'est des trucs pas importants. Tu vois, là, j'ai username, password, mailgun API, your domain, client ID et client secret. Il n'y a rien ici d'important. Ok. L'autre fichier qui a été push, c'est le env.ts. Et ça, ça permet de valider les variables d'environnement. Ok. Mes variables d'environnement, moi, elles sont dans ce fichier-là. Le point env, là, qui est grisé. Et lui, il n'est pas publié sur GitHub. Donc non, il n'y a rien de confidentiel ou autre qui a été publié sur GitHub. Ok. Yes. Voilà. Du coup, je sais pas. Moi, j'ai fini ce que je voulais faire ce soir. En tout cas, ce soir, je voulais faire ce social authentication, le refactoriser un peu plus sexyment pour vous montrer un peu le comment on peut faire. Il y a 2-3 erreurs de typage qu'il va falloir qu'on regarde. Mais concrètement, maintenant, c'est bientôt 22h. Je vais m'arrêter de streamer. Mais on a encore 10 minutes. Si vous voulez papoter, on peut papoter encore pendant 10 minutes. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que j'affiche mon fond d'écran. Et du coup j'ai perdu le chat bien évidemment et on peut papoter si vous voulez pendant 10 minutes avant que je coupe le stream. Si je veux créer un jeu style Pokémon 2D, est-ce que je peux utiliser Unity? Bah j'imagine que oui, après c'est pas du tout mon domaine. on utilise quoi comme validateur? On utilise validator JS en interne, mais sinon c'est utilisé ici dans le point env.ts. On utilise le même validateur qui est utilisé dans les validators ici. Ok, qui est en fait une abstraction par-dessus la librairie validator JS. Ton fond d'écran prend tout l'écran. Oui, mon fond d'écran prend tout l'écran, effectivement. Il est animé en plus. Tu stream tous les jours? Non, pas du tout. Je stream normalement une fois par semaine, peut-être deux, peut-être trois. Ok, mais j'annonce rarement beaucoup à l'avance. Généralement, c'est genre une demi-heure, une heure à l'avance, sauf si c'est un thème très précis. Et là, ça faisait quand même 2, 3, 4 semaines que je n'ai pas streamé, donc ça fait plaisir de vous revoir. J'ai vu un projet pas mal sur GitHub. En gros, c'est un jeu coding game où tu dois résoudre des erreurs de typage TS. Ah, c'est sympa ça, ouais. Tu fais des vidéos YouTube d'explication? Pas encore, mais tous mes lives sont disponibles sur YouTube, si jamais. Et il y aura le site de formation que je suis en train de créer qui sera à disposition quand il sera en ligne avec des vidéos d'explication, etc. En fait, mon but, c'est que là, vous voyez, pendant les lives, on s'explique des trucs, mais le concept, c'est par exemple toute l'explication que je vous ai fait sur le OAuth 2, comment ça fonctionne, pourquoi on utilise ça, les différents moyens de s'authentifier, pourquoi on s'authentifie et qu'est-ce que l'identification, ça pourrait très bien être des vidéos après postées sur YouTube. Pour le moment, c'est que en live, c'est du contenu en live et le contenu pour le site arrivera plus tard. Et elles seront postées sur YouTube, bien évidemment. Voilà. Donc, actuellement, sur YouTube, les seules vidéos que vous pouvez trouver, c'est des vidéos d'explication en anglais sur Adonis et sinon, les rediffusions de mes live streams sur YouTube. Voilà, c'est les seules vidéos pour moi qu'il y a dessus. Tout simplement. Alors, combien de temps j'ai mis pour apprendre le JavaScript? Un certain nombre d'années. Comme je disais lors du podcast qu'on a fait avec Graphicard dernièrement, je ne compte pas. Enfin, ça fait un certain nombre d'années. S'il faut que je compte, maintenant, ça doit faire 7 ans ou plus que je fais du JS. Que du JS. Voilà. J'ai débuté en backend JS. Sauras-tu me dire la diff entre quoi et Express? J'ai vu les deux. Eh bien, je te conseille d'utiliser aucun des deux. Mais si tu veux la différence, utilise. Enfin, si tu es déjà entre vraiment ces deux techs, utilise plutôt Koa. Pourquoi? Tout simplement parce que Express n'a pas été mis à jour depuis bientôt 7 ans. Alors, vous allez me dire, il y a une version bêta qui arrive dernièrement. Non, cette version bêta, vous l'oubliez. Express possède beaucoup de problèmes, que ce soit des problèmes de performance, des problèmes de connaissance du JavaScript. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles syntaxes qui ne fonctionnent pas dans Express, notamment la syntaxe de async await. Et du coup, je te déconseille d'utiliser Express pour ces raisons-là. Koa ne possède pas ces soucis. Okay. Maintenant, je te conseille d'utiliser aucun des deux. Mais ça, si tu as vraiment le choix entre ces deux-là, utilise Koa. Voilà. On monte un peu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de relive. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas live. Voilà, un petit live de 2h20, 2h30. Tranquille, on a pu avancer, on a fait ce qu'on voulait faire, ça c'est rare quand, lors des lives qu'on fait exactement de A à Z la fonctionnalité qu'on voulait faire. Heureusement, j'ai pas fait un scope trop grand ce soir parce que sinon on aurait été perdu quoi. Pourquoi aucun des deux tu conseillerais quoi? Je conseillerais aucun des deux parce que pour moi ce que tu choisis là c'est en router, ok, c'est en micro framework, c'est à dire une partie en fait
très petit dans ton application qui est le routeur. Maintenant, suivant l'application que tu veux construire, ça peut suffire, ok? Si ça peut suffire, moi je conseillerais plutôt c'est Fastify, parce que c'est un framework qui est énormément utilisé, qui est dans l'OpenJS Foundation, ok? Qui est officiel dans l'OpenJS Foundation, qui est maintenu par un core contributeur de Node, qui est aussi un des plus rapides et qui a quand même un bon écosystème derrière. Ok, donc Fastify, si tu veux partir sur un micro framework qui a juste un routeur et après tu peux ajouter 2-3 plugins suivant la taille de ton application, ça ira nickel. Maintenant, ce qu'il faut réfléchir, c'est en fait à ton application, au scope de ton application, à ce que tu as envie qu'elle fasse. Si tu as besoin d'accéder à une base de données, d'avoir un système d'authentification, peut-être un système d'upload de fichiers, peut-être des WebSockets, peut-être tu as besoin de tester ton application, tu as peut-être d'avoir un système de vue, de la validation de données par exemple, ou un système justement comme là on vient de faire ce soir, d'authentification sociale, ou peut-être d'internationalisation de tes textes, etc. Et ben toutes ces fonctionnalités là elles ne sont pas fournies dans ces micro frameworks, que ce soit Express, Koa, API, Fastify, c'est pas fourni dedans. Alors il y a peut-être des plugins évidemment communautaires qui existent, ou même pas communautaire forcément. Fastify, il y a pas mal de petits plugins officiels, je crois. Mais tu vas quand même te retrouver à faire beaucoup de patchwork. Hein, donc, tu vas devoir chercher tes modules, télécharger le module, après le configurer pour que ça tourne dans ton application, etc. Et puis au final, qu'est-ce que tu vas faire? Et bien, au final, tu vas faire ce qu'on appelle créer un framework maison basé sur plein de petites librairies différentes. Et du coup, c'est toi qui vas les gluer ensemble, ces librairies. Et en gluant des librairies ensemble, tu vas ramasser toutes les responsabilités de créer des fuites de mémoire, des problèmes de sécurité ou des bugs, et tu vas perdre beaucoup de temps en fait à faire ça. Alors que tu as des frameworks comme Adonis, qui en fait vient avec tous ces trucs built-in ou modulaires, mais qui vont être configurés tout seul pour toi et s'intégrer tout seul à ta stack. Et en moins de deux secondes, on va dire en expression bien évidemment, tu vas pouvoir être prêt à te focus, te mettre pour écrire ton code métier. Donc c'est d'ailleurs le code qui va faire que ton application est unique par rapport à une autre application. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte tout ce qui est commun, la gestion d'une base de données, le système d'authentification, le système d'upload de fichiers, que ce soit sur S3, Google Cloud, en local, etc. La slogification, par exemple, etc. Tous ces trucs communs à peu près à toutes les applications vont être gérés pour toi. Et toi, tu vas te focus sur ton code, en fait. Est-ce que tu as envie de faire ? Tu n'as pas envie de passer 3 semaines à configurer des modules et après 3 semaines pouvoir enfin dire « Ah, je peux enfin commencer à faire la connexion de mon utilisateur ou la gestion de mon projet ou je sais pas quoi. » Tu vois, tu vas pouvoir en fait, dès le premier jour, tu as une stack, tu es prêt, tu pars et tu travailles sur ton application, ce qui te permet de travailler plus rapidement, mieux et d'engager après, si tu comptes engager, imaginons que tu as du succès, engager plus facilement parce que tu vas dire « Eh ben moi, je veux quelqu'un qui connaît Adonis. » Parce que si tu dis, moi je veux quelqu'un qui connaisse Express, et le problème c'est que, qu'est-ce que Express? C'est en routeur. Derrière, tu auras 30 librairies uniques et chaque projet est unique en fait. Et du coup, la personne va prendre un mois, 2 mois à en fait comprendre l'architecture de ton application, les modules utilisés, comment ça fonctionne, etc. Tandis que si tu demandes quelqu'un qui connaît Laravel ou qui connaît Adonis ou qui connaît Rails ou même peut-être Symfony, c'est quelqu'un qui connaît le framework sur lequel tu travailles et du coup il connaît déjà un peu ta stack, il connaît l'architecture, etc., etc. Donc c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus future-proof, plus facilement maintenable, tu peux démarrer beaucoup plus rapidement ton projet, c'est plus sécurisé et plus fiable aussi également. Donc voilà pourquoi moi je te conseillerais plutôt, suivant la taille de ton application, en vrai entre guillemets framework, mais un framework high scope plutôt qu'un framework low scope. Et si tu veux tout de même partir sur un framework low scope parce que ton application a pas besoin de tout ça, pars plutôt sur Fastify. Voilà, par exemple, moi j'utilise Fastify également et j'utilise par exemple pour faire un proxy. Ok, j'utilise pour faire des proxys de requêtes comme ça. Mon front envoie à mon proxy renvoie derrière un autre back en s'authentifiant. Il reçoit la réponse et il me proxy back la réponse. Donc c'est vraiment un proxy. Et là, j'ai pas besoin d'Adonis, j'ai pas besoin de l'authentification, j'ai pas besoin du système de base de données, j'ai pas besoin de la validation, j'ai pas besoin de tout ça. Alors pourquoi me casser la tête avec? Et là, j'utilise Fastify, tu vois. Donc ça dépend de ton application. Et je pense que pour la plupart des cas, tu as meilleur temps quand même de partir sur vraiment au scope. Voilà. Et salut la suite, salut la close. Je suis le noob du serveur. Et nous sommes pas sur un serveur, donc ça tombe bien. Je vais juste faire une API plus générer des WebSockets, mais pas de vue ni des bases de données. Par exemple, peut-être que Fastify suffirait très bien dans ton cas. Ça en est où pour ton projet pour apprendre le JS? Ça avance gentiment. Là, on a fait ce soir l'authentification sociale, donc via GitHub, sur le site. Tu es freelance, soit d'ailleurs employé. Je suis employé à 100% malgré que ce statut pourrait changer d'ici les mois prochains. Je fais que du .NET pour le back-end du boulot, tu penses que c'est overkill pour une app React Native? Alors, .NET n'est pas overkill. Après, moi, je connais pas
ton app React Native. Mais je vois pas pourquoi ce serait une stack overkill. Ça peut très bien fonctionner. Si tu connais le C-Sharp, c'est une stack parfaite. Ou si tu connais un langage qui compile en C-Sharp derrière, par exemple Oxygen et autres, ça serait une très bonne stack. Le .NET, c'est un très bon framework. Moi, le seul défaut que je trouve, c'est que je trouve qu'il manque un peu de docs sur le sujet et qu'il n'y a pas un écosystème avec Nuget ultra développé à ce niveau-là. Mais franchement, c'est une bonne tech, hein, .NET. C'est une tech qui me plairait bien, très bien d'essayer d'apprendre pour faire mes propres projets. Ça y est, on ne peut plus l'arrêter. On l'a perdu. Non, bah, moi, j'aime bien donner des choses factuelles et une explication par rapport à mon opinion un peu plus concret que j'aime pas, c'est de la merde ou autre. Quoi. J'essaie vraiment de essayer de vous faire comprendre mon raisonnement, pourquoi je trouve que quelque chose est mieux qu'une autre. Il y a moyen de faire du REST avec Adonis. Tout à fait, ouais, ouais. Adonis vous permet de faire des applications à écran du côté serveur ou des API REST ou même des API GraphQL. Hein. Vous êtes limité en rien au final. Au final, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un framework, hein, et là je parle d'Adonis, mais c'est n'importe quel framework, c'est un outil et à vous de l'utiliser, d'apprendre à l'utiliser et de le perfectionner pour votre besoin. Okay, vous avez besoin de faire du GraphQL, et ben c'est pas de base dans Adonis, mais il y a des modules communautaires qui vont ajouter Adonis, enfin GraphQL à Adonis par exemple. Et du coup, ben c'est à vous de le perfectionner pour votre besoin aussi. Vous avez envie d'utiliser MongoDB, ben MongoDB n'est pas géré de base par l'ORM d'Adonis parce que l'ORM d'Adonis est fait pour gérer tout ce qui est SQL. MongoDB, c'est du NoSQL. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire ? Ben vous pouvez installer MongoDB ou Mongoose par exemple, et après ben, si vous voulez quand même s'interfacer avec les différents modules, par exemple le module de validation ou le module d'authentification, et ben vous lui créez un provider. Il y a peut-être quelqu'un de la communauté qui l'a fait, je suis pas renseigné, hein. Se faire sur le site, on a la doc qui explique comment le faire, je vais aller voir là. Donc imaginons que vous voulez utiliser MongoDB, donc vous installez MongoDB, ça c'est standard. Maintenant vous voulez utiliser le module d'authentification quand même d'Adonis, et ben le module d'authentification d'Adonis vient de base avec deux providers. C'est ceux supportés par Adonis. Mais si vous voulez vous en faire le vôtre, vous pouvez. C'est l'avantage d'Adonis, c'est modulaire. Et là, il y a tout un exemple, voilà, MongoDB, qui vous explique comment faire un provider pour l'authentification en utilisant MongoDB. Voilà, et là, il y a tout le schmilblick, le hachage de mot de passe, la vérification, blablabla. Et donc, il y a toute une doc là qui vous explique comment faire. Pour qu'après, vous puissiez utiliser le module d'authentification d'Adonis, donc celui-là, que ce soit en WebGuard ou en API Token ou en Basic Auth, avec les différents middleware fournis par Adonis, mais avec MongoDB, voilà, par exemple. Okay. Donc vous êtes vraiment libre. En framework, c'est pas censé vous coincer, c'est censé vous aider dans le développement de votre application. Merci pour tes renseignements, avec grand plaisir. Les gars, faut comprendre que la techno dépend beaucoup de ce que vous voulez faire. Oh, également, tout à fait. Voilà. Tu as déjà rencontré l'immigration de niveau perf avec du JavaScript côté serveur? Jamais. Et franchement, si vous en aviez pas en PHP, vous en aurez absolument pas en JS. Hein, ça peut gérer des milliers de requêtes par seconde assez facilement. Je comprends pas tout quand je lis la doc, ça me fait flipper. Des fois, j'ai l'impression d'être trop con pour ce métier. Un conseil? Non, j'ai pas de conseil. Non, mais c'est juste normal en fait de pas tout comprendre. Je sais pas vous, mais moi je fonctionne comme si un peu mon cerveau était un ordinateur et j'aime bien, du fois, entre guillemets, hein, l'imaginer lancer des background jobs. Et en fait, il y a des trucs que je ne comprends pas. Des trucs débiles, hein, genre le MVC, l'usine le web token, ou genre de trucs, en première lecture, comme ça, rapide, je ne comprends pas. Je comprends pas l'utilité, je comprends pas pourquoi ça fonctionne ça. Et en fait, je dis à mon cerveau, c'est pas grave, tu vas me faire comprendre. Et là, après 2-3 nuits, et ben en fait, d'un coup, j'ai le déclic. Ah, mais j'ai compris. Et après, je relis le truc que j'ai lu, je me renseigne un peu plus, et bah, j'ai compris, en fait. Et c'est en fait, c'est normal qu'à la première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, ou autre, tu ne comprennes pas. Et là, alors, soit ton cerveau va réussir à te faire comprendre tout seul, parce qu'il faut savoir que quand on dort, notre cerveau travaille et il répond à des questions qu'on lui pose avant de s'endormir. C'est pour ça que souvent on dit, bah, dors, tu passes sur un bug, tu passes 3 heures sur un bug, tu n'arrives pas à le solutionner, tu vas dormir, le lendemain matin, 5 premières minutes, tu le fixes. Parce qu'en fait, ton cerveau, lui, durant la nuit, il va réfléchir à ce bug, malheureusement ou heureusement. Hein. Et ben, en envoyant des tâches à ton cerveau, en fait, tu peux t'aider à faire comprendre. Alors après, si tu n'y arrives pas, ben, y a différents moyens. La communauté sur un Discord, la communauté sur Twitter, les streams. Et là, tu peux poser ta question à quelqu'un qui connaît peut-être et qui arrivera à t'expliquer d'une façon différente pour que toi, tu puisses comprendre. Parce que tout le cerveau fonctionne différemment et on comprend tous de manière différente quelque chose. C'est ça qu'on appelle la pédagogie. La pédagogie, c'est réussir à s'adapter à quelqu'un pour qu'il arrive à comprendre correctement ce que tu essaies de lui expliquer. Bien évidemment, il y a des trucs qui sont pas pédagogiques pour quelqu'un qui pourrait l'être pour quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui va lire un truc, qui va dire « Ah mais oui !» Et l'autre, rien pigé. Et du coup, c'est pas grave. Ce que je peux dire, c'est que c'est pas grave de pas comprendre un truc. Pas hésiter à poser des questions et peut-être que quelqu'un arrivera à te l'expliquer d'une manière différente, etc. etc. Et c'est là où les communautés sont géniales pour ça.
Je ne sais pas si c'est à cause de mes connaissances techniques limitées ou mon anglais qui est pas top. Bah peut-être les deux, peut-être pas du tout. C'est vraiment moi ce que je dis, comme je dis, hein, y a des trucs débiles que je ne comprends pas. Je dis à mon cerveau, enfin en fait je dis pas à mon cerveau, mais je me dis c'est pas grave en fait. Je pars du principe que d'ici 2-3 jours, voire une semaine, je vais le comprendre sans plus en fait. Et j'oublie ce truc, je le mets de côté. Et vraiment c'est bizarre, hein, mais après une semaine, deux semaines, et ben je comprends le truc. J'arrive à comprendre. Merci beaucoup au Cloud pour le follow. J'arrive à comprendre. Sorti de nulle part, hein. C'est bizarre, hein, mais c'est. Et des fois pas. Et là, je vais poser des questions à des gens que je sais qu'ils ont la réponse. Je vais essayer de me renseigner plus loin. Mais c'est pas grave de pas savoir. Et c'est normal de poser des questions. Comme on dit chaque fois, il n'y a pas de questions débiles. On est tous en niveau différent. On est tous en niveau de compréhension différente. Et c'est jamais débile de reposer une question ou de demander des clarifications sur une réponse parce qu'on n'est pas sûr d'avoir compris correctement. Ça fonctionne aussi avec les toilettes ou la douche. Ah, mais clairement, moi, la douche, c'est l'endroit où je sais, où genre ça me dérange pas de, quand je suis en remote, de me doucher pendant les heures de travail, j'ai un bug. Et si j'ai un bug, je me dis, ok, bon, bah, je vais prendre ma douche. Et je sais que durant cette douche, je vais réfléchir à ce bug et je vais souvent réussir à trouver la solution. Ou je vais réfléchir à une architecture différente et tout ça. Et c'est fou, hein, mais la douche, les toilettes et le sommeil, c'est un truc qui aide de malade pour solutionner des problèmes. pratiquer aussi et pas hésiter à faire des erreurs. Ouais, bah faire des erreurs, on en fait tous, hein. Et c'est le meilleur moyen d'apprendre. C'est l'expérience, et l'expérience vient avec des erreurs. Imaginez, vous faites un sport, okay, du billard. Okay, alors on va enlever l'idée que c'est peut-être un sport, pas un sport, c'est pas le sujet. Vous faites du billard. Vous êtes le meilleur au billard. Vous faites tout juste au billard. Est-ce que vous allez apprendre quelque chose? Jamais. Vous n'allez jamais apprendre quelque chose. Vous allez peut-être apprendre tout seul en essayant des trucs, mais c'est en perdant et en voyant des gens meilleurs que vous que vous allez pouvoir vous améliorer. Parce que vous allez voir comment une quelqu'un joue, vous allez essayer d'imiter, vous allez apprendre, vous voyez que cette façon de faire ne vous convient pas parce que vous n'y arrivez pas, vous faites des erreurs, et c'est grâce à l'erreur qu'on peut être mieux. Il faut savoir un truc, il y a souvent une façon de faire bien et une infinité de façons de faire faux. Et c'est pour ça que les fake news fonctionnent tant, c'est également parce que, eh ben, y a une information correcte et des infinités d'informations fausses. Donc c'est plus simple de faire passer une de ces, enfin de comprendre une de ces infinités qui est fausse que le truc correct en fait. Alors je parle de fake news, mais c'est pour l'apprentissage tout court, hein. On vous dit 1 plus 1 égale 2, cool, ça c'est l'information correcte, 1 plus 1 égale 2. Maintenant vous avez une infinité de nombres possibles et toutes ces informations sont fausses. Donc il y a toujours plus de faux que de vrais. Et donc vous allez forcément faire des erreurs, c'est normal et c'est pas grave. Voilà. Et l'entreprise, elle te laisse mettre un truc de côté si t'as pas sorti la feature demandée. C'est-à-dire la douche est utile. Je réfléchis beaucoup sur la douche. Ouais. Mais dans le lit, dans la douche, dans votre sommeil, et on a tous des moments. Il y en a qui ça peut être, ils sortent leur chien, ou ils vont se promener en forêt, ou ils vont faire ci, ou ils vont faire ça. Et en fait, c'est des moments où vous n'êtes pas dans focus sur votre problème, et pourtant votre cerveau derrière travaille dessus. Et vous allez avoir des solutions qui vont faire pouf, pouf, dans votre tête. Mais voilà. Du coup, moi c'est pour ça que j'ai pas vraiment de conseils, à part que c'est pas grave, c'est normal et que ça va venir, tout simplement. Et qu'il faut pas hésiter à poser des questions. Les questions, c'est pas débile, c'est très intelligent la question. Il y a aucune question débile. Ta plateforme sera en français? Oui, car c'est pour se concentrer sur la compréhension d'avoir du contenu. Voilà. Alors moi, initialement, je voulais la faire en anglais, puis je me suis dit, en fait, en anglais, il y a déjà énormément de contenu de bonne qualité. En français, un peu moins. Il y en a aussi, mais un peu moins. Et en gros, il y a deux trucs. Un, c'est que moi je suis francophone, je parle français, alors je parle suisse entre guillemets parce que je dis des mots suisses que vous n'allez pas forcément comprendre, genre la panos, ok, ou le sèche-cheveux, non pas le feune, ok, ou ces mots là que vous n'allez pas comprendre forcément, c'est pas grave, ça mène du lore à la chaîne, mais en gros, ou les nombres, hein, 87, voilà, mais c'est français, donc je vais beaucoup mieux m'exprimer en français, je vais beaucoup mieux réussir à expliquer des choses en français, donc ça sera en français. Et en plus, il est vrai que vu que mon audience sera française, et eh ben le problème actuellement que je trouve qu'il y a, c'est que souvent on conseille aux gens, bah, un, il faut apprendre l'anglais, deux, on te donne des références anglais parce qu'elles sont bien. Alors c'est bien, mais des fois le problème, et ça j'en avais parlé lors du podcast avec Graphicard dernièrement, c'est qu'on essaye de tout mixer en même temps. C'est-à-dire que une personne veut s'essayer à React, il va essayer React, en même temps essayer Firebase et en même temps essayer de comprendre l'authentification JSON Web Token. Et du coup, il va merger ces trois trucs, allez, puis il le fait en TypeScript, allez, boum. Ces quatre trucs qu'il a jamais fait, il va les mettre ensemble. Et il va
se taper le pied dans la table. Alors c'est pas du tout une expression connue, qui n'existe même pas, hein. Je sais pas l'expérience, mais il va foncer contre le mur parce qu'il va y faire quatre choses qu'il ne sait pas. Au lieu d'essayer TypeScript, puis essayer React, puis essayer de comprendre Firebase, puis essayer de comprendre JSON Web Token, il va mettre les quatre en même temps et il va s'énerver. Et le truc, c'est que, à mon avis, c'est un peu la même chose avec la langue. Vous essayez d'apprendre une tech, mais en même temps, vous n'êtes pas super fort dans une langue. Et si vous mettez les deux ensemble, alors c'est pas les quatre d'avant, là c'est deux, mais en mettant les quatre, alors je vais faire quatre comme ça, c'est mieux que de faire bref. Et ben c'est le même schmilblick. Donc vous essayez de comprendre un truc, c'est écrit dans une langue qui n'est pas la vôtre, avec des mots peut-être techniques que vous comprenez pas. Et du coup, des fois, c'est plus dur à comprendre. Donc oui, ça sera en français. La nuit, c'est terrible, suivant le problème, j'y pense toute la nuit. Alors ouais, alors là, c'est un autre problème. J'habite sur Fribourg. C'est quoi l'équivalent des keufs? Alors les keufs, ça se dit les keufs. Hein. D'ailleurs, il faut savoir que keuf, si vous le mettez dans le bon sens, ça dit fuck. Voilà. Donc c'est, en gros, c'est une insulte quand vous dites voilà les keufs, ou quand vous dites il y a un keuf, c'est une insulte directe envers la police. Hein. Voilà. Parce que ça veut dire fuck. Okay. Donc c'est une insulte. Vous insultez, c'est pas comme vous dites meuf, qui est l'inverse de femme. Ok. Donc on dit que les keufs, c'est une insulte directe. Alors il y a beaucoup de gens qui disent ça pour rigoler, mais c'est une insulte. Vous insultez quelqu'un. Voilà, je tiens juste à le préciser si jamais quelqu'un s'énerve parce que vous lui dites ça, parce que vous l'insultez. Panos, c'est une serpillière, exactement. Ou en linge. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'en linge? C'est une expression suisse. Ah, perso, j'ai... Non, c'est pas une expression. Perso, j'ai fait ma mue. Je sais pas ce que c'est. En PHP, ah ok, en PHP Evernote, j'essaie de tester un peu tout. Le NoSQL, c'est un peu trop bordélique pour moi. Express aussi. Donc, mon but, cette partie sur Adonis, c'est de m'y tenir. Bah, c'est une très bonne chose. Le NoSQL, le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de gens partent sur MongoDB et Express parce que c'est ce qui est présenté sur Internet. Malheureusement, mais ça, c'est un autre problème qu'on a parlé beaucoup de fois. C'est en fait un cercle vicieux d'informations parce qu'il y a une tendance. Merci beaucoup Alouking pour le follow. C'est une tendance que les gens disent écrivez sur ce que vous apprenez. Pourquoi? Et ça c'est vrai, parce que quand vous allez écrire, en fait, le fait d'expliquer quelque chose à quelqu'un, ça va vous permettre vous-même de l'apprendre mieux. Et même Graphicart l'a dit dans ses derniers lives où il faisait la formation SQL, c'est que en fait ça le force lui-même à se former et à apprendre des trucs. Et c'est vrai, quand vous faites une conférence, vous allez vous forcer à faire les choses bien. Le problème là, c'est que du coup on conseille à des débutants d'écrire. Et ces débutants, ils vont écrire normalement des choses, ils vont beaucoup écrire des choses fausses, les publier en ligne. Et qu'est-ce que les gens font? Eh ben, ils vont lire ces articles en ligne, des autres débutants vont pas pouvoir juger et ils vont se dire, ok, je vais essayer ça. Ils vont faire la même chose et ils vont recréer l'article qui va parler de la même chose. Et ça. Et là, on a un cercle vicieux de mauvaises informations qui arrivent, qui en fait spam l'internet. Et malheureusement, on se retrouve avec beaucoup d'articles expliquant Express et MongoDB, qui sont pour moi des technologies à éviter pour la plupart des applications, en fait, surtout Express. MongoDB est utile pour certaines applications, mais c'est du NoSQL. Et merci beaucoup Moustique Unleash pour l'abonnement. Et le problème que je vois là-dedans, en fait, c'est que MongoDB, c'est une base de données NoSQL schemaless. Et c'est même écrit sur le site, en gros, un schemaless. Et on se retrouve avec des gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils créent Mongoose. Mongoose, c'est quoi? C'est un ODM. Ça vous permet d'accéder à votre base de données MongoDB comme si c'était une base de données SQL avec des tables, avec des relations, avec des clés et avec un schéma. Et si tu as besoin de ces quatre choses, eh ben, utilise SQL, n'utilise pas MongoDB, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, tu utilises MongoDB pour faire une base de données SQL derrière. Alors que MongoDB a des problèmes en écriture, etc. Ça ne sert à rien en fait. Et malheureusement, bah, les gens ils tombent que sur des articles qui parlent de ça, ils se disent c'est génial, je vais faire ça également dans l'univers Node, c'est pas génial du tout, évitez. Voilà. J'aime bien la police. Il y a un clip connu sur YouTube, Ich habe Polizei. Ah d'accord. En linge, c'est une serviette de bain. Oui, exactement. Keuf, ça vient pas de flic en verlan. Bah keuf, si tu le mets à l'inverse, ça fait fuck. Hein. C'est là, vraiment, tu peux un F, E, U, K, ça fait fuck. Voilà, c'est l'accent en français. C'est écrit en français, fuck quoi. Génial parce que c'est du jeu. Bah, en fait, moi j'ai l'impression que les gens ils aiment bien utiliser MongoDB. Pourquoi? Parce que l'interface proposée pour query leur base de données est en JS. Et en fait, c'est comme si tu comparais Next, qui est un query builder SQL, à MongoDB. Mais eux, ils comparent le SQL brut à MongoDB. Et là, bah, c'est logique. C'est logique, si t'as d'un côté en query builder et de l'autre en langage pur, eh ben tu vas préférer le query builder. Mais t'as la même chose pour SQL. T'as des query builder pour SQL, ça fonctionne génial et c'est pareil. Et malheureusement, eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils prennent exemple sur ce qu'ils voient, quoi. Parce qu'ils sont débutants et c'est pas leur faute, ils peuvent pas juger, c'est pas leur faute non plus.
Mais le problème, c'est que du coup, on se retrouve spammé de mauvais articles sur Internet et les gens parlent là-dedans. Et malheureusement, ben, les gens parlent que de ça, tristement, on va dire. Merci pour toutes ces infos, passez une bonne soirée. Bonne soirée à toi, Drulz. De toute façon, on va arrêter le live bientôt. Parce que c'est déjà 22h15, on a déjà dépassé de 15 minutes. C'était un plaisir de live avec vous. Je vais répondre à la dernière question de Silver L. Une bonne API Query Builder avec Node, du coup. Et ben moi, je trouve que Nex est un très bon Query Builder. C'est d'ailleurs celui qui est utilisé sur Adonis. Nex.js, voilà. Et du coup, bon là, il y a la connexion à la DB. Ça gère plusieurs DB. Et si je descends, bah, c'est celui qui est utilisé par Adonis. Hein. Donc là, vous avez un where, hein. Next user where ID égale 1. Voilà, pouf, ça vous fait le SQL. Derrière, ça vous les exécute. Et pouf, vous avez la réponse qui vous est renvoyée. Hein. Voilà, where, where in, etc. etc. Mais c'est ce qui est utilisé par Adonis. Hein. Donc utilisez Adonis si vous voulez faire un truc un peu plus complexe. Merde, c'est déjà la fin. Bah ouais, c'est déjà la fin. Ça fait bientôt 3 heures qu'on live. C'était censé être un court live. Mais ça m'a fait plaisir de vous parler. N'hésitez pas à revenir au prochain stream en tout cas. Tu as une idée de la deadline pour la sortie de ton site? Alors, il faut savoir que ça fait 4 ans. Non, ça fait pas 4 ans. Ça fait en vrai 3 ans et 360 jours. Non, ça fait un certain temps que c'est. En fait, c'est un fil rouge. Ce n'est pas une activité que je fais à plein temps à côté. Et ce n'est pas l'activité principale que je fais dans mon temps libre. J'ai beaucoup de side projects autres. Qui vont me faire gagner de l'argent normalement, hein, sous le schmilblick, voilà, entrepreneur, blablabla. Et du coup, ça dépend en fait. Le but, c'est qu'on avance seulement en live dessus. Donc là, ça dépend de la quantité de live que je fais, ça dépend du temps que j'ai et si j'ai pas d'autres projets à côté ou que je dois avancer plus rapidement que celui-là. Donc je n'ai aucune idée. Donc si ça se trouve fin d'année ou milieu d'année ou l'année prochaine, voilà, j'ai pas de date. Pas de soucis, je reviens des bikes, plaisir, franchement tu expliques super bien, je suivrai le projet, bonne soirée à tous, merci, ça fait plaisir, j'aime bien les Suisses. Alors bon, ça, il y a des Suisses qui sont très cons aussi, hein. Ne pas généraliser, en bien ou en mal. Ok, sur ce, moi les gens, je vais vous laisser, ça a fait plaisir, on a été énormément ce soir, alors que ça faisait genre un mois que j'avais pas stream, on était monté à plus de 50, et là on est toujours 44, c'est énorme, alors qu'on fait que du just chatting. D'ailleurs je vais me faire bannir de Twitch parce que j'ai pas mis just chatting en bas, c'est faux. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous souhaite une très belle soirée, un très bon début de semaine, un très bon début de cours, ou c'est peut-être les vacances en France, je sais que sur Vaud c'est les vacances, sur Fribourg c'est la semaine prochaine, donc bonnes vacances, bon début de cours, ou bon reprise du travail pour ceux qui travaillent, ou bon chômage pour ceux qui sont au chômage, hein. Il ne faut pas les oublier ceux-là non plus, ils sont aussi importants. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente soirée, et un truc génial, hormis un troll de graphic art, on a peu eu de questions sur Web3. Et ça, c'est cool. Allez, merci à tous. Bonne soirée. Avec plaisir. À la prochaine. Certainement un autre stream cette semaine. Ça m'a fait plaisir en tout cas. Et sur ce, moi, je vous dis ciao.